Ok, donc la dernière fois, c'était arrivé à la ville d'Irésia. C'était arrivé. Et vous avez fait un crochet par le sud. Et là, vous avez pu observer des mecs perchés un peu sur les hauteurs. Et vous avez pu remarquer que c'était un mec de la Team Braze. Quelqu'un de méchant. Donc, arrivé au pied de la petite montagne, je dirais. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a possibilité de grimper ou est-ce qu'on Oui. voit un accès quelque part? Vous pouvez grimper, effectivement. Lance mon grappin en haut. Pour grimper, c'est un dé. Ça va être facile, hein, non? C'est. Je pense que je vais le faire sur 20 au lieu de sur 10. Oh, je ferai ça après. Je dois aider ma mère avec la télé. Ok, d'accord. Dire que c'est la même montagne, on sait pas où est la montagne, je la voyais pas comme ça, moi. Non, mais je l'ai fabriqué moi-même. Et t'es plus escarpé et puis marron là, elle est bien ronde. Mais oui, mais celle-là, je l'ai fabriquée avec mes mains, celle-là. Qui me parle? Qui fabrique une chose? Dieu est là. Bah, ça va être un dé de 10, plus votre force pour grimper. Un délit plus la fin. Alors, normalement, vous devrez faire plus de 5 pour arriver dans le milieu. Ok. Si vous faites moins, bah, vous arriverez seulement au premier cran. Et si vous faites beaucoup plus que 5. Vous serez au niveau supérieur de. Enfin, carrément arrivé à la montagne, quoi. C'est que vous êtes fort. Ça, c'est un test de force, donc. C'est ça, c'est la force. Force sur ton joueur. Du coup, vos Pokémon sont sortis. Est-ce que vous les remettez dans vos Pokéballs pour grimper? Ce sera peut-être plus simple, ouais. Pour ma part, oui. D'accord. Ok, ok. Donc bon, qu'on balance un plus un 20 avec le bonus force. Et 10. Ouais, je vais sur des gens. Je vais continuer sur 10 parce que sur 20, ça va être chiant. Ok. Ouais, sur un des 10. Bah, c'est parti. Ouais, fais, je te fais les dés. Roll the dice. 8. Bon, moi je suis en haut, je vous attends. Ouais, vous êtes tous les deux en haut, hein. On est fort. Il manquera plus que Dylan, hein. Ça, ce jet était facile. Non, il était assez compliqué quand même. Je pense qu'il est resté avec brio malgré l'adversité. Plus de combien pour monter en haut? Il fallait faire plus de 5. Hein? Je prédis que Guylaine va faire moins de 5. Ah, c'est facile, hein, pour grimper. Ah, mais c'est comme ça, vous pouvez voir. C'est comme vous pouvez voir, il y a quand même des. Entre guillemets, des. Mais comme les murs d'escalade. Il y a des prises. Des prises, exactement, merci Vince. L'escarpement. Les affleurements rocheux. Allez, Dylan. Attends. Dans les mains. Un des 10 plus ta force. Hop. Allez, hop. Voilà. Hop, merde. 6. Il faudrait aussi que tu demandes à Jago comment il a fait pour. Pour démagnétiser la grille. Ouais, faudra que je lui demande.
Il a mis un électro-aimant. Haha. Je sais pas si c'est des magnétismes du coup. Allez Diane, je allez Diane, grimpe. Pour moi, mon Magikarp il se repose pour l'instant. Je l'utiliserai pas. Donc vous êtes arrivé au-dessus. Pour pouvoir faire se voir déjà. Pourquoi on a une espèce de... Oui. Il faut faire un jet pour chaque saut ou pas? Non, non, ouais, c'est bon. Si. Non. Non, non, un jet ça suffit. Il faut faire plus de 5 pour arriver à grimper tout au-dessus. Ce qui était donc forcément possible à Guylaine. Oui, voilà. Il s'en est fort. En même temps, c'est un costaud. Bon, par contre, je vais sortir préventivement. Pendant qu'on... En fait, je vais me mettre là. Moi, je sors mon... Voilà, pas comme ça, on me voit pas. Et je vais sortir et au lit. D'accord, ok. Et moi, je le regarde, le mec, et je sors à la mèche quand même. Hein. Ouais, moi, j'arrive par derrière. Genre, est-ce que je vais remettre un coup de boule dans la tête. Je l'empêcher de le faire. Tu fais ça, je t'assassine, vraiment. Putain, j'allais dire, est-ce que je peux lui lancer mon couteau à la gueule au mec? Je vais voir si les Medina vous repèrent, vous sent avec son flair. C'est quoi comme truc? Attends, on est planqué ou on n'est pas planqué? Oui, vous êtes planqué, mais il se peut qu'il sente parce que c'est un chien. Et puis il vous entend aussi. Ah, attends, dans quel sens va le vent? Fais un jet. Le vent il va par là. Il nous sent pas là. Il peut pas nous sentir. Si. T'entends, il peut bien nous sentir, non? Ah, bah non, c'est physiquement impossible. Bon, je fais un jet, voir s'il vous sent. Possible. Alors, je regarde ses stats. Il ressemble un peu à rien vu d'ici le truc. Les odeurs de frites de l'autre côté. À côté de la mer, il sent rien le truc. T'es si. Il pige dans le sel. Il a senti quelque chose. Du coup, il prévient son maître. Faites quoi, vous restez là? Ouais. Ouais. On va tous lui bondir dessus et le ligoter. Exactement. Du coup, le mec, il fait... Encore vous? Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça, encore nous? On fait des pattes. Mais je vous reconnais, vous êtes les maîtres du bateau, là. Mais on le reconnaît, nous? Ah bah, si tu peux t'en souvenir, oui. Non, mais ils ont la même tronche, je sais pas si c'est lui qui... Si, c'est le même du bateau. Ah bah, je te reconnais, toi, c'est celui à qui on a foutu une bélier. Ouais, mais... Ça va pas se passer comme ça, hein. Si. Quand même un peu. Ilan, attaque. Dylan, je te pas en fait. Non, ça va, je plaisante. Je vois tellement penser avec son pied. Ok, c'est parti. On est parti sur un combat. Changement d'échelle à chaque fois. Bah pourtant on n'a pas monté le truc avec une échelle. Allez, initiative. Alors, on va se remettre un peu dans le bain là. Un dé de 10 plus sa dextérité du Pokémon. Hein. Moi je vous conseille de faire des macros, hein, ça sert pas mal pour ce genre de conneries. Surtout quand on est près de la mer. Oh, quel macro. Et bim! Ça c'est mauvais signe. C'est-à-dire que mon prochain jet va être limité. L'initiative c'est avec la dextérité, hein, c'est ça? Ouais. Oh! Okay. Putain! Ça c'est le 1 et ça c'est le 2. Je vais avoir, Alors, bah, c'est le Medina 1 qui va attaquer. Il va faire une charge. Alors, est-ce qu'il va la réussir?
Il va la faire sur Carapuce. Ah. Alors, je crois que c'est sur un des 100, c'est ça, hein, je me rappelle plus comment ça marche. Ouais, 46, ça touche. Oui. Alors. 5 plus la physique. 9. Et tu retires ta défense. Défense. C'était de 7 ou 8, je crois, donc ça te fait à peu près 2 dégâts. Beaucoup de dégâts. Défense. Bah, ta défense, c'est ton endurance, je veux dire. Mmh. Ah oui, endurance, je suis à 9. Ah bah. 0 du coup, il te fait. Ce n'est pas très efficace. C'est à celui qui a fait 18. C'est à moi. Moi. Shenzo. Alors j'ai envie de tester une attaque parce que c'est une que j'ai, je lui ai fait apprendre, qui attaque Météor, qui fait donc 6 de dégâts plus le bonus de constitution qui est de 7. Et ouais. Alors, donc ça fait 6 plus 7, ça fait 13, je ne dis pas de bêtises, et théoriquement, mais là j'attends confirmation, j'ai une de mes capacités spéciales qui, ouais, ça double. Qui fait que ça double mes attaques de type normal, puisque évolue de type normal. Ce qui veut dire que je lui fais 26 de dégâts, et normalement, enfin après je ne sais pas si j'envoie quand même un jet de précision ou pas sur Météor. La précision sur Météor, non. Ça rate jamais. Donc ça veut dire que ça touche automatiquement. Ça touche automatiquement. Ça veut dire que j'ai une attaque ultra cheatée qui vient de faire 26 de dégâts. Putain. par contre, ça te coûte d'énergie, non? Effectivement, ça me coûte un d'énergie. Oh punaise, c'est complètement cheaté. C'est pour ça que je l'ai prise. Pour se cacher que. Donc c'est. Bon, je vais pas la spammer, hein. je la teste. Ouais, là, défense, mais... ok. Sinon, c'est trop facile, quoi. Donc elle fait combien ton attaque? 23. Donc elle, 26. Fait, elle fait 13 x 2. 26. Ok, tu faisais sur Medina 1 ou 2? Sur les deux, je crois. Sur le 1. Ok. Voilà. Et puis, il avec quand même. Il avait tout 7 vies quand même, l'enfoiré. Ah, il se sent amélioré depuis. Il a son bonus de défense aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il doit avoir un bonus autour de 7-9. Il a pris 20 dégâts, quoi. À mon tour. À ton tour. T'as la mèche. Attaque griffe. Vas-y, lance ta griffe. Ouais, moi j'ai pas, non, j'ai pas d'attaque cheatée encore. T'as oublié la précision. Ah merde, c'est vrai. Ouf. C'est bon, t'as tout. Ok. Et tu choisissais le lequel? Hein? Ton attaque. Bah le premier. Minilaire 1. Bon bah, inutile de dire que. Qu'il est KO, hein. C'est très efficace. Ensuite, c'est au deuxième Medina d'attaquer, du coup. Vu que Dylan a fait 4. Ah oui, c'est vrai. Alors, il va faire. Il va faire un jet de sable. Il va le faire sur ça, la mèche. Alors... Hop. Ok. Il finit mon boulot, quoi. Et du coup, il te baisse ta précision de moins 10%. Ok. À toi, Dylan. Alors, je vais faire... Je vais sortir mon couteau. Une aura sphère. Et bah, j'ai pas besoin de faire de précision, vu que ça n'échoue jamais, sauf si la cible, elle utilise abri ou détection. Ok.
Bah donc c'est un D8. Plus c'est concentration, non ? Attends, c'est une attaque. C'est physique ou ? C'est combat. Attends, catégorie spéciale. Spéciale, bah c'est ta concentration. Alors concentration 5-8, ok. Moi je vais te faire la volonté. Moi, je vais le défoncer, ça veut dire. Ou pas donc. C'est pas mal parti pour toi Dylan, t'as 2-1 déjà. Voilà. Initiative. Ça veut dire que ça va s'améliorer pour la suite. Et bim. Putain, et 2-10 à pied. Jamais eu autant de chance, je crois. Tu faisais moins le Mariel là. Ouais. Bon bah vas-y hein, Shenzhou. Je pense que tu vas respammer ton attaque. Allô ? Un AVC ? Ni. Ça va vite. Oui, non, mais je pensais qu'il y avait un objet en fait en attente. Mais bon, je vais vous en laisser quand même un peu hein, parce que je suis sympa. Alors, du coup, on va tenter une petite charge. Petite quatre charge. Est-ce que tu touches ? Ça passe. Ça passe. 5 plus ma force. Ça roule. Ah bon. C'est pas x2 normalement ? C'est une attaque normale, tu as raison. Ok. Donc ça fait 2. Ça fait 10. Oui. x2, bah non, ça fait 18 du coup. Nous, c'est un peu cheaté ça. Bah c'est à qui ? Moi ? Oui ! Sirtaki. T'as la mèche ! Attaque griffe ! Oublie pas que t'as moins 10%. Ouais, ah bah ça passe. Putain, fait les dégâts. Que des jets de 20. Oh putain. Sur un D4, bon. Hein. C'est pas la mort. Ensuite, j'ai fait 14, donc c'est à mon tour. Alors, il va faire étonnement. Alors, c'est 1, 2, 100. Et là, il fait sur Evoli. Oh. Donc, il réussit. Alors, c'est de type spectre. Lance un dé de 10. Alors, hop. Plus. Ça va, la musique est pas trop forte. Elle est trop forte. Donc, ça te fait 7. Moins ta. Moins. Concentration. Ma concentration qui est de 7. Ok, et je lance un dé de 10 pour savoir si ça t'a peur ou pas. Non. Ça ne t'appelle pas. Akrabi, ma Dylan. Akrabi, lance ton Dylan. Alors. Allez, achève-le-nous là. Achève la serpillère. Attends, je lis juste mon attaque et ça. Je ne la comprends pas. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, ça.
précision 100, donc je balance un dé 100. Tu fais quoi comme attaque? Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire une giclée d'eau. T'avais acheté autant d'attaques avec ton XP? Bah ouais. Ok. Donc giclée d'eau et... Sans la fraude. Ouais. Non, je crois, allez. Vas-y, fais ta giclée d'eau. Ok, ça touche. Ok, et donc c'est un des 15. Oh, ça existe pas, merde, attends. C'est pas grave, tu fais quand même un des 15. Tu le crées quand même. HR 1D 15. C'est une attaque donc spéciale. Je dois rajouter, c'était quoi? J'ai déjà oublié. Attaque spéciale, c'est concentration. Ah, concentration. Comme les camps. Là, je le défonce. Effectivement. Bouf. Alors, y a pas une petite musique de... Ah. Bon, y a un texte avec de l'XP là qui arrive. Bon, ok. Alors, je vais switch de map aussi. Pas vous laisser là. Bon, du coup, ça s'est quand même passé comme ça, hein. Alors, ouais. Hop. Ah merde. Eh, hey, langage. Ah, Rudy. Aide-moi. Ah, t'as son pote qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore les gars là. Je suis mort. C'est le bandeau qui fait tout. Ah, heureusement que j'ai mes malos pour les tenir à l'écart. Un cochon d'un. On va les déglinguer. C'est reparti. Encore, hein. Ah ouais, on les dégomme. on va le dégommer aussi. Moi je vais appeler Krabby cette fois si je peux. Oh ouais. Ouais. Moi, toi, ta pipe et ta tête de... Voilà. Alors... Krabby. Il faut que j'aille le chercher dans les... Mon Dieu, il y en a un qui maîtrise la technique vol. Ah, ça va mieux. Donc tu rappelles ton carapuce? Hop. Allez, faut le jouer là, Dylan. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Carapuce, en avant Krabby. Krabby, à l'attaque! Faut que tu fasses les bruits aussi là. Ah non, Krabby. Bon, en alors... plus, Krabby, je fais pas Krabby. Il fait il fait ça. Ah, il est là, Krabby. Hop. Il arrive. Et maintenant il est tout large. Ah, ouais. Il est un peu petit encore. Non. C'est pas grand. Ouais, c'est pas grand. Ouais. C'est pas grand un Krabby. Ça fait que. Attends. Fige Krabby, ça fait tout... 40 centimètres. Grand. Après, il peut y en avoir des plus grands que d'autres. Mais c'est il y en a 40 cm et il fait 6,5 kg. Genre celui de Sacha, c'était un petit. Il était plus petit que le mien, je pense. Moi, c'est parti. Initiative. Allez-y. Ah, Dylan, son Krabby l'a motivé. Enfin, Krabby est motivé. Alors, moi, j'en suis ouf. Alors, ça, c'est le. Ça c'est le 1. Ah ouais. Et ça c'est le 2. Ouais. Donc c'est le 1 qui va commencer. Ouais. Donc le premier à faire
une flamèche sur Evoli. Alors, est-ce qu'il rate ? Non, il touche. Alors, c'est quoi ? C'est 1 des 4. Plus. Ok. Ok, donc il te brûle pas et t'inflige 12 moins ta défense, enfin ta volonté. Question. Moi, mon malus que j'ai eu de notre combat, c'est passé. C'est passé. Quoique, tu l'as pas remis dans sa Pokéball. Pour le remettre dans sa Pokéball. Bah. Moi, je sais pas, je demande. T'as toujours du sable dans les yeux, enfin, il a toujours du sable. J'ai de sable. Bah, gratte-lui les yeux. Bah, oui, mais il peut se gratter les yeux tout seul. Bah, non, il peut pas parce que. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il n'a plus de main. Tu veux juste ton tour pour t'enlever le sable ? Bah, on va dire qu'il l'a fait avant. Est-ce que tu veux que je lui lance de l'eau ? Au moins, il aura plus de sable sur la tête. Ça qui est. Ici, il fallait que je fasse l'action pour m'enlever les machins que je savais pas. Et ensuite, on peut dire qu'il l'a fait avant que les autres nous arrivent dessus. Non, on va dire que ça s'est enlevé. Bon. Donc, qui a fait en dessous de 18 Bah, c'est Dylan. Dylan, vas-y. Hein ? C'est quoi avant, non ? Les 16. Ah, bah, moi, j'ai fait 15. 15 et... Ah bah vas-y. J'aurais jamais avant et du coup. Ah ouais. Non, j'ai lu une mauvaise ligne en fait. Ouais, c'est John. Allez, John. La mèche. Attaque griffe. Sur lequel ? Le deuxième. Ok. J'ai failli. Oui. Boom. J'ai un peu inversé. Bah, le premier alors du coup. Mais qui font des cabrioles pour changer de. Donc sur le deuxième hein. Ou sur le premier. C'est le premier. Oui, sur le premier, oui, le premier. Donc j'ai t'as fait une attaque griffe. Ok. Oui. Défense. Ok. Ok. Hop. Tac. Ah, du coup, vous voyez plus. Les barres de vie, voilà, c'est bon. Cette fois-ci, c'est à Shenzhou. Ok. Gueule, je vais attaquer. On va faire un petit météore pour bien commencer le combat. Ça passe bien. Vas-y, je t'en prie, sur lequel ? Sur le 1. Donc ça fait 23. Si, c'est ça. 1 6 26 26 ah oui 26 c'est la défense T'as fait 26 là voilà vu des... pouf j'ai pas vu le lancer, il va me tuer il va me tuer mon seigneur je suis seul à pas avoir vu le lancer. Météor ça rate jamais. Ah, c'est... D'accord, sauf c'est... si le Pokémon adverse fait abri ou tunnel. D'accord. Ça c'est vraiment pété, en plus tu lances rien du tout quoi, tu peux lancer l'attaque et boum. Donc c'est à bah au Malos 2. On peut peut-être directement aller voir le boss du coup vu qu'on a. Alors, du coup, il va faire un purée de poids, qui est une attaque de zone. Purée de poids. Purée de poids. Attaque purée de poids. T'es pour un Smogo ou quoi? Oh, le critique. Et c'est une attaque de zone.
C'est pas de dégâts ça, c'est un debuff. Non. Alors ça fait... Alors 3 plus... 3 dégâts plus la... La concentration qui est de 11. Donc ça vous fait ça en critique. Critique, on avait dit que ça c'était en double, je sais plus. Je sais plus comment je prenais les critiques. Bah c'était du double pour moi. Ouais, il me semble aussi. Ce qui veut dire qu'on va déguster là. Là vous dégustez tous, ouais. 28. 28. C'est du normal ou spécial? C'est du spécial. Et merde. Donc moins votre volonté. Et ensuite, je vais faire un autre lancer, voir si vous êtes empoisonné. Oh, attends, mais je me prends 20 dégâts, moi. Ouais, je m'en prends pas. Vous loin, êtes pas empoisonné. 19. Je m'en prends 20 aussi. Mais c'est vrai qu'il me reste 3 points de vie. Eh ben, dis donc. Attends, notre vie, elle est 20. Ah, ouais. La vie, c'est vitalité ouais. Plus la base, on est d'accord, là. C'est les deux assemblés. De quoi ? Plus le bonus que tu te serais mis, ouais. Ouais. Bah, en l'occurrence, enfin, il me reste... Mis, c'était déjà des trucs attribués, donc... Il me reste pas grand-chose, moi. Ah, d'ailleurs, je... Non, moi j'ai 21 en point de vie, normalement, je sais pas pourquoi j'avais 23, là. Bah, il me reste 9 PV. Il me reste 1 point de vie. Eh bah, dis donc. Tidoum, tidoum, tidoum. Oui, je t'autorise à faire Météor, Shenzo, y'a pas de soucis. Hein. T'es sûr, hein, ça, je pourrais tenir mes coups. Hein, ça va, je m'attendais le... Tidoum. Ouais, ouais. Ah là, le HP. Dieu, Silus. Bon allez, qui doit attaquer là? Qui a fait ça? C'est Dylan. Ok. Alors, je vais lui faire une attaque écume. Donc, c'est une attaque spéciale. Ouais. Précision de 100. Hop. Donc ça touche là, c'est bon? Ça touche. Vu qu'il en fait que c'est une attaque type O, ça fait x2 ou x2 dégâts, hein? x2. Mais c'est x2, genre le dé c'est au lieu de 8 c'est 16 ou c'est à la fin on fera le x2? C'est à la fin que tu fais ton x2. Ok. Bah c'est mieux du coup. Ouais. Certes. Ah mais est-il feu, menace? Bah ouais, c'est ténébré feu. Germatif. Donc je l'ai mis 26. Bon bah c'est bon, à mon avis, tu l'as calmé là. C'est pas dit. Ah mais attends, j'ai aussi 10% de chance de baisser la vitesse de la cible d'un niveau. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... T'as dit quoi? J'ai 10% de chance avec l'attaque de baisser sa vitesse d'un niveau. 10% de chance? Ouais, faut que je fais un D10, non? Ouais, c'est ça, ouais. Normalement, je fais toujours entre... Enfin, tu lances un D10 et entre 9 et 10, ça applique l'effet. Ça veut dire à 10. Voilà. Bon. Ben, ça applique pas. Tant mieux, parce que c'était un peu compliqué, ton truc. Bah non, c'est moins 1 en initiative, je pense, le truc où... Je pense que tout le monde a fait son tour. Oui. Initiative. C'est chaud, hein. Par exemple, il a eu du bol de faire un putain de critique sur cette attaque de merde, là. Bah, c'est clair. Est-ce que Shenzo va attaquer? Bah c'est bon. Allez. Que bon, fais-tu? Bah voilà, il est mort, hein. Balance-lui des météores et voli. Piou piou piou! Comme dirait Valérie, au revoir. Eh ben, GG. GG.
Oui. Tous crevés, mais tout va bien. Oh, elle a la queue entre les jambes hein, maintenant là. Allez, on court dessus, on les défonce. Tortre on leur couteau. Pique leur fric. C'est bon, on se rend. On se rend. Je croyais que t'allais dire on leur pique leur fric. Quand vous piquez leur fric. Les vieux racketeurs. Bah, normalement, quand tu gagnais un combat, tu gagnais de l'argent. Hein. Bon, ok, tu dépouillais là. Vous nous laissez tranquille si on vous donne 300 chacun. 300 quoi? D'accord. 300 ouais, Poké-Dollars. 300 000. Vous avez pas une potion de soin plutôt, espèce d'enfoiré là? Le gars il fait son marché. Non, mais moi, tu... Il me faut tes bottes, tes lunettes et ta moto. Non, j'ai pas ça, mais peut-être que le boss y en a. Ouais, il est en train de. Ah, mais le dérangez pas, il est en train de. Le dérangez pas, oui, mais tout à fait, bien sûr. De se fighter avec. Mais chute du con. Et il n'a ouais. pas l'air très finot ton copain. Hein. Allez, rabouler le fric et sortez de nos vues parce que là. Bon, ça la mèche à deux doigts de se déchaîner sur vous. Là. Ok, ok, on se barre, on se barre. Allez, file. Ouais, bah, moi je vous annonce tout de suite que le combat va être rigolo. La brume se dissipe. Ok, d'être remonté ça. Chut. Alors, qui avait des potions de soins d'ailleurs? Parce que je me souvenir que. Je crois que j'en ai une, moi j'ai une potion de soins. Moi aussi. Normalement. Je pense que ça va être assez profitable de l'utiliser. Je vais l'utiliser maintenant d'ailleurs, effectivement. Bon, considère qu'on leur a piqué 300 de sous. Oui, oui, oui. 300 poké dollars. J'utilise ma potion. Ouais, d'accord. Pareil. Je récupère tous mes points de vie, du coup, vu que j'en ai 21. Ça s'applique en spray, simple. C'est combien la potion? C'est 20 PV. 20 PV, et j'étais. Bah, je récupère tout puisque j'avais perdu 19. J'ai regagné 20. Dylan, que fais-tu avec ton Krabby? Rien, je le. Bah, il a deux Pokémon à la limite, hein. C'est pas forcément. J'ai deux Pokémon, donc c'est pas très grave, effectivement. Moi aussi. Alors, faites-moi un jet de. Je vais dire perception auditive, lol. De détection. Non, pas de détection. Mais quel est ce rocher de couleur bizarre? Non, en fait, ça sert à rien de la perception. Vous pouvez vous approcher jusqu'au rocher. Un jet de mouvement. Est-ce que vous pouvez bouger? Il faut demander à Chamour, ça. Il est bizarre, ce rocher. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Ah non, c'est juste moi que j'ai rajouté c'est un décor. C'est un problème. Faites gaffe. J'ai rajouté un décor. Voilà. Donc vous pouvez bouger. Est-ce qu'on peut ouvrir les yeux? Juste au rocher, pas plus loin. Parce que là il y a une cinématique. Du coup si je passe là, je la vois et hop je l'annule en fait. Je fais échappe. Non il y a une cinématique. Alors là vous voyez. Alors là, il y a Paul, donc celui que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré sur le bateau. Qui? Paul. Ah, Paul, le gars avec son smogogo. Mec, qui vous a échappé sur le bateau. C'est bien qu'on a donné un coup de boule, et il s'est barré. Ah, celui que vous m'avez empêché de planter. pour le bien de ta santé mentale, lui. Alors, il dit, tu te mets toujours en travers de mon chemin, Adeline. Et elle lui répond, si tu crois que je vais te laisser faire, mon cher Paul, tu te mets le doigt dans l'œil. Est-ce que je vois que tu te rabats toujours avec tes deux gugus? Hein? Du coup, t'as le magmar
de Paul qui se prépare. Vas-y, lance-flamme. Donc, lance-flamme sur le Pokémon qui est là, donc il y a un Altaria. Sauf que son Altaria le contre avec un champ canon qui a un rayon un peu puissant. Altaria, c'est quoi? C'est le petit truc bleu ou le grand dindon jaune? C'est ça, c'est là le truc bleu. Le dindon jaune, ça, c'est un roux carnage. C'est un carnage, ça. Oui, c'est un roux carnage. Ah, d'accord. Un dindon jaune. Je trouve qu'il a une tête vachement bizarre. Hein. C'est... En fait, c'est Adeline qui est sur son roux carnage. Hein. Ah, voilà. Mais oui, putain, il y a une meuf dessus. Mais d'accord. Oui. Je dis, il a une tête vachement bizarre. Le gars est complètement shooté au crâne. Non, effectivement, oui, c'est vrai que quand tu enlèves la tête du mec, on voit bien que c'est un carnage. Effectivement. Et du coup, le Magmar est en mon sol. Paf. Et là, t'as Adeline qui fait. Je dois m'occuper de ton Smogogo maintenant. Paul qui se résigne, fait. C'est bon, je me retire pour cette fois. Ah non, non, pas du tout, non. Ouais, et là. J'aimerais bien savoir comment il va partir. Il y a une montgolfière. Du coup, elle se tire. Et nous, on est là. Attends. Pas rancunière, quoi. Tout va bien. Et là, vous pouvez intervenir. Super, là, c'est vraiment chaud. On a rien à foutre. Bah là, on s'approche. Il nous regarde ou pas? Oui, il est encore. Non, non, il est encore en train de regarder au loin. Enfin, prendre une cuite, du coup. Un peu traumatisé. Moi, je m'approche et je lui tapote le. L'épaule. Genre, tapote tes tétons. C'est ça, tapote les tétons. Tu tapotes l'épaule pour qu'il se retourne. Et là, Il se retourne. Je fous mon poing dans la gueule. Non, j'ai. Ah! Je fous mon poing dans la gorge. J'attends de voir sa réaction. Vous? Nous. Nous, nous, nous. Nous, il. T'aurais pas une potion? Si t'as une potion, j'accepte de pas te combattre. Et il cherche dans ses poches. Il est gentil, en plus, il cherche quand même. Ah non, désolé. Ouais, j'en ai une, mais c'est pour Magmar, c'est pas pour vous. Ouais, et tu veux dire pour toi, ton Magmar et ton Smogo une fois qu'on s'est occupé de toi? Bon, ok, je me suis fait déjà battre par Adeline là, elle m'énerve. Bon, ok, je me rends. Okay, c'est toujours dans mes potes. Hein. Attaquer, quoi. C'est toujours dans mes pattes. Et on se balade, on visite, hein. C'est toi qui te retrouves là où on est. Et du coup, il nous a donné une potion ou pas? Non, il a pas donné de potion. Hein. Casser la gueule, alors. Bah vas-y, Shenzo, si tu veux lui casser la gueule, vas-y. Pourquoi moi spécifiquement Bah c'est pas toi qui voulais le taper, tu viens de dire que tu voulais le taper. Bah non, moi j'ai rien dit du tout. Mais c'est dans sa tête, ça, c'est ça? Ouais, ça c'est. Non, moi j'aimerais bien savoir qui c'est qui cherchait sur le bateau. Ouais. Exactement, ouais. Tu veux pas qu'on te marave, faudrait que tu nous donnes quelques réponses, mon vieux. Sur le bateau? Ouais, le bateau, ouais. T'as fumé trop de c'est le truc gaz qui de flotte, Smogo là, ou quoi là. Ah, ça. Ouais, je cherchais une scientifique. Alors, si on ne dit rien, c'est qu'on attend plus de précision là. Ah, je sais pas, vous dites rien, non? Oui, bah, son nom, pourquoi, comment, où? Cette scientifique, elle s'appelle Olivia, je pense. Oui, oui, c'est ça, Olivia, ouais. Je pense, ouais. Ah bah, ça va, même que pas tu cherches des gens. D'accord. Excusez-moi, je cherche quelqu'un, mais... Non, elle s'appelle Olivia, ouais. Et vous voulez savoir pourquoi je la cherche? Pourquoi on la cherche? Oui, éventuellement, oui. Eh bien, en fait, elle possède un prototype. Et nous cherchons, en fait, à le récupérer. On va la ramener à un prototype de quoi? Putain, faut toujours reposer des questions, hein, c'est chiant. Hein. Ouais, mais. Écoutez, je viens de me faire abattre par cette Adeline là, ça me reste toujours sur les gorges.
Mais j'ai pas tellement envie de dévoiler ce projet. Parce que... Ah bah ça plus... dépend. T'as envie de te faire barrer ou pas? Plus les gens sont courants, et... moins c'est bon. Il a l'air complètement dépité. Ouais, ça tu peux le dire. Bon, de ce que je sais de ce prototype, c'est que ça boosterait les Pokémon. C'est une sorte de dopage. Et au vu de ça... Je vois qu'on n'est pas les seuls à chercher cette scientifique. La team Zephyr qui s'est mise à sa poursuite, c'est pas trop bon pour mes affaires. On devrait peut-être faire une team, nous aussi, comme ça on peut rechercher des trucs, non? Ça a l'air cool. Ok. C'est bon, je peux y aller. Pourquoi vous... D'accord, ça sur le bateau, je veux bien, mais pourquoi du coup ici? Et pourquoi... C'était qui la fille là qui s'est barrée là? Je devais prendre rendez-vous avec... Mon docteur. Avec un contact... qui me donnerait plus d'informations sur la localisation de Olivia. Apparemment, Adeline était là aussi. C'était elle le contact? Non. Elle, c'est une de mes rivales. Elle fait partie d'une team? La team Zephyr. Ah d'accord, ok, c'est quoi? Ok. C'est bon, je peux y aller ou... Elle aussi, elle est au courant pour le prototype? Ah oui. Ah oui, 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 ils sont totalement au courant, oui. Et la Team Rocket, elle est au courant aussi? La Team Rocket, on n'a pas de nouvelles depuis leur dissolution avec Giovanni. Ah d'accord. Parce est plus rapide que la lumière. J'ai d'autres questions, moi je crois que... Ouais. Bon, ah si, une dernière. À quoi devait ressembler votre contact, vous savez? À moins que vous ayez cherché des contacts, non, d'accord. Vous avez rendez-vous là sur cette montagne? Oui, mais apparemment, comme vous avez pu le voir, j'étais pas le seul. Ok. C'est des mails qu'on s'envoie, du rendez-vous à telle heure. Mais bon. Bon, vas-y. On s'est fait avoir. On le jette par la falaise ou... Il a de l'argent lui aussi, non? Il a des vêtements. Je pense qu'on devrait le pendre à la falaise et le laisser là. Ça lui fera les pieds. Le pendre On attache une corde à un caillou et on le fait pendre par les pieds le long d'une falaise. J'ai pas forcément envie de perdre une corde, moi. Ouais. Eh mais vous êtes fous. Est-ce que t'as de l'argent? Bah non. Au moins, on le retrouvera plus sur notre chemin. De l'argent. Ça vous a rien fait faire l'argent des poches comme ça des gens? Ouais, en soirée, ils nous ont agressé. Bah, des gens comme toi, ouais. C'est quand même c'est le voleur qui. Ouais, vous volez les gens, c'est pas bien. Hein. Moi, je vole pas. Un voleur, ça me pose pas trop de scrupules. Si je vole pas. Tu voles pas? T'es pas en train de fomenter pour voler le prototype là? C'est pas voler, on le récupère. Nuance. Oui, pareil, Non, récupérer. Bah, c'est le vôtre. Bah moi j'aimerais bien récupérer ton argent. On est sur le même genre de concept. Hein. Parce que là avec tes copains, ils nous ont quand même fait perdre une potion. Hein. Bon. C'est pas totalement faux. Hein. Attends, ils nous ont donné de l'argent, 300 chacun, c'est ça hein? Ouais, bah ouais. Bon. Donc, si les subalternes ils ont 300, ça veut dire que le chef il a plus. Hein. Exactement. Moi j'ai rien, moi. Eh bah donne-nous ton smogogo. On s'en contentera. Moi je ferais bien une expérience, c'est de séparer smogo de gogo hein, pour voir ce que ça fait. Le mec c'est le docteur Mengele, quoi. Complètement cintré. Ouais, puis moi je sais pas si j'aimerais beaucoup tripatouiller Smogo personnellement, mais bon. Bon, qu'est-ce que vous voulez en faire parce que. Moi je. Bah, on le file aux flics au pire. Ouais, on appelle l'agent pas... Caillou et. Moi j'ai le numéro. Moi j'ai le numéro de machin là. Bah, moi j'appelle le 17 et c'est bon.
Moi j'appelle le 911. Est-ce que je peux appeler le flic qui est dans mon répertoire de... Oh ouais, bah ouais. Dans ton répertoire ? Ouais, il lui a demandé à... Bah ouais. On l'a pas tous, nous, un truc comme ça, non ? Oh ouais, bah ouais. Non, je il l'avait donné juste à moi parce que vous étiez complètement fou. D'accord. Bon. Parce qu'il y en avait un, il avait le couteau de la taille de son avant-bras et l'autre, il arrêtait pas de l'emmerder. Ouais, ouais, tu peux l'appeler, ouais. Et tu l'appelles comme ça devant Non, ah bah, je me barrais plus loin, je lui ai envoyé un... Est-ce que les SMS, ça existe ? Oui, bah oui, 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 ça existe, ouais. Bah je lui mette, on a trouvé le responsable de l'attaque du bateau, il est avec nous, on est sur une espèce de falaise. Il ressemble à Fort Boyard mais plein. ce que je vais faire c'est que... C'est vrai en plus. Non mais en fait je vais prendre une photo d'où on est et le mec il doit connaître un peu le coin. Bah t'as pas Google Cartes sur ton... Je fais un selfie, tu lui envoies. Ah oui, le mec il ressemble à ça déjà. J'ai oublié de vous le montrer. Il a changé de tête, hein. Ça... C'est officiel. Gamin, truc, c'est officiel. Voilà. Oh, c'est pas un gamin, c'est et un puis... ado. Puis la... Pour moi, un ado c'est un gamin. La meuf elle ressemblait à ça. On dirait sa sœur. Peut-être le cas. Quelque chose. Voilà. Est-ce que la fille qui est partie était ta sœur ? Ah non. Peut-être que tu le sais pas, hein, Luc qui savait pas que Léa c'est sa sœur. Exactement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire là. Peut-être que vous allez découvrir des passions communes. Est-ce que tu ressens une force t'attirer vers cette personne ? Il va se dire je suis tombé sur des... Du coup t'as envoyé ton SMS Ouais j'ai envoyé mon SMS, éventuellement avec la photo d'où on est. Ok ok. Bah il te répond en fait... Il y a un commissariat à Irizia, donc éventuellement il y a l'inspecteur qui s'y trouve là-bas. Inspecteur au bureau. Au bureau. Il peut venir Inspecteur au bureau. Parce que bon, on n'a pas forcément autorité à capturer des gens non plus. C'est vrai, c'est Pokémon. Je lui mets, je vais envoyer un truc, venez vite, on va essayer de le retenir. On va essayer, on va le retenir, oui. Est-ce que j'ai moyen de prendre une photo du gars de manière discrète, genre je me cache derrière le rocher, je fais genre je vais pisser, je sais pas, un truc. Fais-moi un test de bluff, en tout cas. Je pourrais essayer de faire un test de discrétion hein, pour le faire. Vas-y, fais un test de discrétion, sachant que t'as pas été non plus. Vas-y, en fait, décris-moi ton action, parce que là, vous êtes un peu trois comme ça. Enfin, il a quand même l'intention sur vous, il vous regarde. Bah, en fait, pendant que les autres, ils continuent à le questionner et tout, je m'éloigne un peu. Quel âge tu as ? D'où tu viens ? Et j'écris un truc sur mon téléphone, et à un moment, j'incline, on va dire que j'incline le téléphone pour qu'il soit quasi à la verticale, pour pouvoir prendre ma petite photo en faisant toujours genre d'écrire. Ok, ok. Ah, tu me fais un dé de 10. Hop. Plus 7 ans, y'a quoi ? Bonus de discrétion, j'ai mis, c'est plus 1 pour moi. Ah, vas-y. Oh, c'est standard. Hein. Si, ça, bah, c'est pile poil ce qu'il fallait faire. Ouais. C'était standard. Du coup, je lui envoie la photo aussi du bonhomme. Ok. Donc tu lui poses des questions, John ? Hein ? Enfin, comment en es-tu venu ? T'as fait un EVC, toi aussi ? Comment en es-tu venu à être dans la team Braise ? Brasier ? Braise, j'ai plus. Braise, ouais. Brasier ? C'est la team Braise. Braise, voilà. Eh bien... La team Braise est dirigée par par Agatha. Christy ? Non. J'allais la faire. un peu facile. Une seconde avant de. Un peu facile. Et on va dire c'est un peu la leader et celle qui a un peu ordonné de retrouver le prototype. Et c'est si puissant que ça, ce prototype, on va le retrouver à tout prix.
Vous l'avez vu? Comment? Pourquoi? Comment? Deux. Réponds. Bah ça fait beaucoup d'histoires. Après. Rendez la poulette. Histoire, oui. Après c'est la chef, c'est plus d'infos que moi. Moi je ne suis que les ordres. C'est pas si génial que ça, hein, vu qu'elle envoie que des bras cassés pour aller récupérer. Et bim. Ouais. Bon, je dis ça, on a effectivement failli faire marave quand même, hein, mais bon, ça ils le savent pas par ses soupirs. Oh, ils se sont barrés, la queue entre les jambes. Hop. Est-ce qu'il m'a envoyé un truc pour savoir s'il vient dans combien de temps, ouais, t'as reçu un SMS et t'as dit l'inspecteur qui vient. En fait, c'est pas très loin. Hein. Ah oui, il est là, ouais. C'était pas très loin parce que c'était au sud d'Irizia. Même vous avez pas mis longtemps pour arriver là. Les forces de police approchent, je le sens. Hop, hop, hop. N'empêche, hein, c'est pas dans Pokémon que t'aurais pu attendre que les flics se ramènent avec un mec que t'as marave. Hein. Bon, ok. Ah ouais, lui, ouais. Ah non, mais je vais pas aller en prison, moi. Pour les filles. Rappelle ton Pokémon, allez. Vite que ça. Ouais, bien joué. Je vais pas dire les enfants, hein. Tout ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu ces sales gamins dans mes affaires. Bien joué. Aïe, hop. Donc il prend les menottes. Hop. Il s'enfuit. Non, c'est juste que je dois un peu les grouper. Voilà, c'est bon. Bon, je vais celui-là, je l'emmène au commissariat en prison. Sur ce, messieurs, j'ai entendu dire que vous avez une navette qui vous attend pour retourner. Pour retourner sur. Une destination que vous souhaitez, mais. Je ne sais plus c'était laquelle. Je sais même plus où est-ce que je voulais aller, moi d'ailleurs. C'était quoi votre destination? Moi je sais plus. C'est quelle destination en fait? Notre destination là ou la destination du tout début? Bah du bateau, non du... Ah bah... Non, que vous vouliez aller en fait pour continuer la suite. Bah voilà, bah pour moi c'est revenir... On a exploré... On voulait pas aller à l'arène? Ouais, on peut aller à l'arène, mais de toute façon ça change rien parce que l'arène elle est bloquée. Il faut avoir un badge pour pouvoir... Non, ou deux, je crois. L'arène, justement, l'arène pour avoir notre premier badge, c'est pas là qu'on voulait aller? L'arène, oui, tout à fait, mais elle a... C'est pas... Écorcia? Si, c'est Écorcia. Écorcia. En fait, c'était pas Écorcia, c'est Olivier, je m'étais trompé. Hein. Oh. Petite erreur. Oh, Olivier. Tenez, en plus, c'est sympa, là-bas. Du coup... Ok, bah moi j'emmène celui-là. Hop. De toute façon, il faut qu'on retourne au bateau. Je ne sais pas si le bateau est prêt ou pas, mais. Ah bah c'est navette, si le... Mon avis, le bateau c'est barré. Hein. Ah bah on se casse alors. Faut qu'on retourne là-bas et qu'on aille. Déjà qu'on aille au bateau, il avait pas fini son trajet donc. Là, il avait fait juste une escale. Hein. En fait, votre bateau initial il est déjà parti et il a été remplacé par une navette. Qui nous amène où on veut. Voilà. Pas. Pour vous dépanner. Ouais, ils sont gentils quand même, similaires. Parce que le professeur Chen, il devait retourner à son labo. Donc ils ont pas pu attendre. Ils vous ont fourni une navette. Vous pouvez pas prendre une navette, lui ? Non. Il prend le bateau. Le mec, attends, il prend un yacht, quoi, tranquille. Nous, on se balade. Bah, c'est le professeur Chen, hein. C'est un peu la star. Ouais, c'est une superstar. Le mec, il a découvert que 150 Pokémon et il fait le kéké. Donc que faites-vous, cher dresseur? Bah on va retourner. Enfin si ça vous va, on retourne là où il y a le bateau, quoi. Il y a tellement de
tellement de choses à faire encore ici, mais bon, on peut y passer notre vie. Faut mieux aller de l'avant, effectivement. Allons au bateau. Ok. Et où le perforas? Comment on fait pour mettre les... Oui. Pourquoi? Non, uniquement. C'est bon, non, j'ai enlevé les images en fait. Ça sert un peu à rien vu que c'est pas les bonnes. Alors, hop. Hop, hop. Et hop, voilà. Et hop. Ouais, je vais mettre ça là. Et hop. Tu veux aller faire un petit peu de pêche? Il y a toujours les deux policiers qui dorment. Pour rappel, juste un titre informatif, Shenzo, tu devais pas passer au centre Pokémon pour chercher ta carte dresseur, un truc comme ça, enfin je crois. Si, c'était la boîte de badge, tout à fait. Voilà, je te le rappelle, juste comme ça. De quoi? Il devait faire quoi? Récupérer sa son badge. Ouais, parce que moi, en fait, j'ai plein de badges d'avance. Je vais récupérer. C'est un peu comme les généraux en Afrique, tu vois, j'ai une ligne de médailles déjà de prête. Je pense bonjour, vous l'accompagnez pour soigner vos Pokémon, non? Ouais, c'est pas con ça. On a utilisé une potion pour rien. Bonjour, je vais faire quelque chose pour vous. J'aimerais d'une part soigner mon Pokémon et d'autre part récupérer si vous avez le coffret qui permet de récupérer les badges. Alors, dans un premier temps, je vais soigner vos Pokémon. Est-ce qu'on peut dire que je peux partir avec eux? De quoi? On peut dire que j'étais pas avec eux en fait. D'accord. T'étais parti faire quoi? Je voulais faire patauger un peu mon Magikarp dans la mer. Ok. Je l'apprends à nager. Il va se faire bouffer. Ah bah il peut, c'est oui. Pas méchant. Okay. Il peut se faire bouffer. Non. Donc tu fais quoi avec ton Magikarp? Bah je le fais patauger un peu, machin. Je mange. Dans la mer et tout, il retourne dans son élément. Ok. Je lui fais faire des attaques de trompette en entraînement. Ok, donc l'infirmière, voilà. elle regarde dans une caisse, hop, elle fait « Voici tout ce qu'il faut pour devenir un bon dresseur. » Voilà. T'as le badge, t'as ton carnet, hop, elle te les pose sur le comptoir. Ça fera 300 Pokédollars. Je peux faire autre chose pour vous ? Ding dong. Oui. Je crois qu'il faudrait le mettre dans la machine à son aussi. Non, j'ai eu un AVC. Donc oui, non mais enfin je. C'est possible, oui, de récupérer. Oui, bah elle te rend ton Pokémon, oui. Ouais. Merci bien. Non mais moi c'était récupérer le comment? C'est sur le comptoir. C'était sur le comptoir? Ah bon, bah je récupère tout. Je sais pas, moi je pensais qu'on allait me le donner dans la main et tout. Allez, tenez monsieur. Bon bah du coup je récupère le tout. Et toi Dylan, tu t'as donné ton Pokémon à faire soigner ou pas? Un Hiroupille sur un... Alors, bah moi je vais aller au comptoir. Salut. Bonjour. Je viens pour faire soigner mes deux Pokémon. D'accord.
hop. Elle te prend les Pokémon, hop. Elle met sur le tapis. Toun, 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 toun. Voilà, ils sont en bonne santé. Voilà, elle te les rend, hop, sur le comptoir. Touk. Merci. À la prochaine. Au revoir. Ils sont drôlement grands, ces fauteuils. Ouais, ils sont hyper confortables, j'ai attendu depuis tout à l'heure. Moi, je suis bien dessus. Je vais peut-être prendre le coussin pour partir dans la nature. On peut s'adresser au mec de devant nous là. Oui, 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 oui. En train de lui cracher à la gueule. Non, je voulais savoir ce qu'il faisait. Ouais, bonjour. Faites quoi ouais, de particulier salut. J'attends mon Pokémon, il est dans les soins en fait. Il est un peu plus blessé en fait. Il est gravement blessé, gravement empoisonné donc. D'accord. C'est arrivé comment ? Ben, on va dire que j'étais dans les eaux vers le sud, donc là où est-ce que vous étiez. Et on va dire qu'il est. Ben, je ne sais pas. Soudain, il s'est senti mal et. Et du coup, j'ai pris mon Tortank et je suis revenu vite ici. D'accord. Un Tortank. Ouais, j'étais en train d'entraîner mon poids sirène pour le championnat de représentation. Pour les concours de beauté. Et elle a été empoisonnée comme ça, du coup, je me suis vite retiré des eaux. C'est con. Ouais, mais c'est quand même bizarre, donc je m'inquiète pour mon Pokémon. Donc je reste là, j'attends. Bon bah, on peut faire quelque chose pour vous ou non, ça... Bah, si vous pouvez prier le dieu Arceus pour pour que ça aille mieux. On tâchera de faire ça. Ah, c'est vrai, hein. Arceus, c'est le dieu créateur des Pokémon, donc... Ah, ça, on n'en doute pas. Hein. Vous n'êtes pas passé aux soins non plus. Bon, allez, bah, bon courage. Hein. Merci, merci. Bonne prière. Merci. Donc vous partez ? Effectivement. Tout à fait. Ok. Bon, pourquoi partir ? Vous étiez bien, les... Hein ? Bah t'es pas là déjà, donc... Voilà. T'es en train de faire flotte flotte avec ton Magikarp. Et fais ta trompette, là. Allez, bah je le pousse à l'eau. Ça doit être tellement impressionnant, l'entraînement de Magikarp. Je se réveiller. Trompette. Allez. Rien ne se passe. Ça n'est pas très efficace. Moi, je suis même pas sûr que ça sache nager, en fait. Tu, c'est comme nager. Ça sait nager. Moi, je dirais pas que ça nage, je dirais que ça flotte, quoi. Mais c'est un poisson que vous racontez. Mais écoute, moi, dans la série, je l'ai jamais vu vraiment nager. Tu le vois à la surface de l'eau faire... Bah oui, quand il est à la surface de l'eau, mais s'il est dans l'eau... Alors, qu'est-ce que vous faites ? Magikarp revient. Ok, hop. Oh, tu viens de là, c'est vrai. Il a pris une paille. Magikarp était très content d'avoir fait un peu de trompette. Et tant mieux pour lui. On va remonter au moins. Y a pas la boutique. Il y a une boutique ici. Faut que j'aille me racheter une potion. Ouais, il y a une boutique ici. Ah, il y a une boutique. Ah ouais. Elle est où encore ? La boutique, elle est... Non, ça, c'est le pêcheur. Voilà. Est là, ici. Ah, super. Très bien. Moi, on est déjà passé ici, nous. Là. Non, mais c'était il y a longtemps. Depuis, il y a des événements. Là. C'est pas des choses. Moi, je rentre dans la boutique, parce qu'il faut que j'aille me reprendre une potion. Alors, la boutique. Voir 2. Elle est où, ma boutique ? Elle est là.
Bonjour. Donc il rentre. Non, moi je vais attendre. J'attends dehors. J'ai fait ce que j'avais à faire. Après, t'es obligé à chaque fois de nous mettre dans la boutique pour un petit truc qui prend 3 minutes. Non, c'est bon, c'est bon. Bah là, je suis pas dans la boutique. Bah, c'est le calme. C'est clair, c'est l'agression gratuite, là. Oh oui, ouais, c'est clair que je t'ai crié dessus. Ouais, enfin, moi j'ai trouvé ça assez offensant. Bonjour, je vais faire quelque chose pour vous. Oui, 2 potions, s'il vous plaît. 2 potions. Alors, c'est 300 poké dollars pour une, donc ça vous fait 600. Et bah, 600. Est-ce que j'en prends vraiment 2 ou... Et toi, Shenzo, t'as la boutique aussi? Ouais, je vais venir avec. Ok. Et vous, monsieur, pendant que monsieur cherche son argent... C'est bon. Moi, c'est une potion aussi. Une potion, 300 poké dollars. Ça tombe bien. Bip, il a scan. Bip, voilà, 300 poké dollars. Moi, c'est bon, aussi, je vais lui donner. Ok. Bon bah à la prochaine. À la prochaine. Bonne journée messieurs. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ta-da-da-da. Bon. Bah on se casse. Moi je fais comme dans le clip de la ville de Jadiel, je cours le long de la plage. En tenant les bandoulières de mon sac. Ok, donc vous remontez, hop. Ah oui, il n'existe plus, hop. Alors, on va changer un peu de... Hop. On saccage les plans. Non. Vous traversez simplement? Bah oui, puisqu'on connaît la mise. Ouais, elle est en train de replanter puis... les graines et tout. Ah, bonjour. Au revoir. Rebonjour. Au revoir. Au revoir. Bon plantage. Merci. Elle est pas sur un PC, qu'est-ce que tu racontes? Bon plantage. Lol. Elle est en train de débugger la console. Je pense que vous rentrez encore une fois dans la grotte. Le chemin inverse. Oui. Bah ouais. La sortie de cette merde, bonjour. Par contre, c'est plus cette musique là, je vais prendre celle-là. On y voit que comme à travers une pelle ici. Bah en fait, vous arrivez à traverser la... Hop, on revient en arrière. Revenez en arrière. Ah oui, je m'en souviens, ce que je devais faire ici. Nous laisser passer sans... Revenez en arrière. En arrière, hop. Ah carrément. Ici, ouais. Mon oreille. Voilà. En fait, il y avait un élastique à l'entrée de la grotte, et puis... Alors, vous sentez quelques légers tremblements sur la grotte. Quelqu'un à Parkinson? La grotte, ça... Des légers tremblements de terre. Donc, faites attention où vous mettez les pieds. Ouais. Ça, c'est très rassurant. Il y a des cases piégées. Des cases piégées. Est-ce que si on marche sur le mot de Dieu, c'est bon ou... Moi, je vais lancer une corde sur le pont, comme ça,
Je vais prendre de l'élan et courir et hop, je vais sauter directement sur l'autre pont. qu'est-ce que j'allais dire moi? T'as pas des l'écume ou je sais pas quoi? Écume? Bah si. Ouais. Tu peux pas genre lancer un crachin d'écume et que l'écume elle retombe au sol et du coup ça va nous faire détecter les trucs? Je sais pas, ouais, peut-être, pourquoi pas, je sais pas trop comment ça... Bah comme le sol il est un peu chancelant, je pense que si même une bulle qui tomberait, il y a une chance que ça dévoile des choses, quoi. Tu fais genre un espèce de balayage... En fait, il y a plus risque d'éboulement. Alors on va tous mourir. Je comprends pas. Ah, ce qui est chiant, c'est que... Ah non, c'est bon, je l'ai sauté au-dessus. Yes. Non. Ah, vous faites la courte échelle. C'est ça. Hey Dylan, tu te proposes pour nous aider à monter? Ah, comme d'hab. Ben, moi je sortirai ma corde pour t'aider. Ouais, je déconne, on passe à l'écouter. On pourra essayer. Ouais, moi j'aurais pas besoin d'aide, moi je saute. Et hop, ok, vous passez à côté. Mais on devrait marcher les pas de dans les pas l'un de l'autre. Ouais, moi je veux bien faire un éclaireur. Hop, sur les côtés, on longe les murs. On longe c'est vrai que c'est recommandé de longer les murs en cas de mouvement. Bah dans une grotte. Faut longer les murs. Ben, on longe le truc quoi. Mais moi j'ai rien compris, c'était quoi le problème en fait? Il y a des éboulements, des crevasses. Ouais, en fait, il y a des tremblements de enfin, il y a des tremblements. La grotte, elle tremble. Enfin, vous sentez que ça vibre et il y a des probabilités que ça fasse lâcher des gros rochers. D'accord. En fait, éboulements. Pas besoin de longer les murs. Faut juste regarder en lien s'il y a un truc qui tombe. Pas compris. Pas compris. J'avance quand même. C'est bien. Bon, en gros, fais gaffe. Il y a des trucs qui vont tomber sur le coin du lit, voilà. Je suis sur mes gardes. Alors ici, top 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 top. Ah là on est passé. Hein. Ouais là. Ah, vous êtes passé ici. Passé. Ah, vous allez trop vite. Hein, on va trop vite, on va super lentement, je rigole. Non, c'est parce qu'on court, du coup on anticipe les éboulements. C'est vrai. Bah exactement, non, on a pas envie de faire un truc sur la tronche. Bon ben, éboulement. Enzo est mort. Alors. Tu fais quoi? Est-ce que tu... Je pense que tu l'as vu arriver. Bah, vous avez avancé prudemment, donc... Ah oui, on a tout vu arriver. Même ce qui pourra arriver plus tard, on le verra arriver. On regarde. Ah, je suis mort. Non. T'as combien en... Je dirais en sport, ben... C'est un peu décisif. Combien en sport? Combien en épaisseur de crâne? Détection. Si... Détection. Pour voir s'il arrive à bien. Bon, moi j'ai 0 en détection. T'as 0? Moi j'ai 1. Bon, fais-moi un dé sur 5. Qui? Shenzo. Mais moi j'ai 1 en détection, je peux détecter s'il y a une pierre qui va lui tomber dessus. Un jet de 5 ou un jet de 10? Un jet de 10 sur 5. Faut que tu fasses plus de 5. Alors je le sens très mal. C'est moi, j'ai je pense même que je vais faire un 1. Bon, c'est un 2. Ouf. Alors, je vais regarder à la fin les dégâts que ça va te prendre sur ton personnage. Et moi, j'ai de la détection juste à côté, je peux pas regarder s'il y a un truc qui tombe. Non, je ferme les yeux pendant qu'il se prend un rocher sur la gueule. Bah, t'avances prudemment, tu regardes pas en arrière, enfin, t'as pas les yeux partout non plus. Bah, j'avance prudemment et je regarde s'il y a un truc qui nous tombe sur la gueule. Ouais, t'as pas des yeux dans le cou? Non, mais j'ai mon cou qui peut regarder en l'air. Pas ma tête. Alors, combien j'ai de vie déjà? Normalement, vous avez tous 10 de vie. Je comprends pas, je m'étais mis 1000, moi. Alors...
Et Dylan, avec sa force surhumaine, va essayer de récupérer le rocher avant que ça tombe dessus. Non, mais là, c'est un petit rocher, enfin, vous le voyez gros, mais c'est. Je suis trop en train de regarder ça. C'est genre un petit rocher, enfin, des petits cailloux. Des gravats, quoi, donc ça, c'est pas tellement mal. Ok, donc du coup, j'ai pris. Tu vas prendre un jet de. Tu lances un des trois. Putain, il y a un des 10. 10 Et t'es mort. Mort, mort. Ah, je prends un PV, voilà. Ouais, oh, c'est une égratignure. Je ouais. survivrai. Bah, faites gaffe, du coup, parce que là, ouais, effectivement, il y a des trucs qui nous tombent sur la gueule. On peut reprendre ou faut oui, vous pouvez reprendre. Vous pouvez reprendre. Donc, je regarde en l'air. Pas de tremblement de terre. Mais vos... en fait, on va tous courir tout de suite très vite parce que plus on attend, plus on se prend des trucs. Apparemment, il y en a un, il a été tétanisé par le rocher. Ah, ça va. Alors, cette échelle, c'est... ça apparaît là-bas. Hop, on joue à Mario. Tout, tout, tout. Vite, vite! La grotte va s'effondrer! Il joue le montagnard et là. Non, il pleut là. Attends, c'était ouais, Marc. C'est là. Allez, la sortie est proche! Moi je saute à travers la sortie. Je sais plus où elle est la sortie. Ils se sont perdus, ils se sont perdus! Mais c'est pas par là, mais qu'est-ce que vous faites? C'était tout droit là en sortant de l'échelle. Dylan il a rien à foutre, il se téléporte, mec. Oh non, j'ai appuyé sur chaque carré. On sort où? On sort ici là? Bon, vous êtes sorti indemne, ou presque, mais c'est à la sortie. J'ai rien compris, on est où? Bah. Ici, c'est. En fait, ça prolonge, ça fait ça. Ça fait ça, ça. Je sais pas si tu nous montres des trucs, mais on voit rien du tout. Hein. Ah bon? Enfin, moi je vois rien du tout. Oui. Mince. Oui, allez, bah. Hop, on... dépêchons. Allez, sinon, vous avez pas. L'échelle pour aller ici à l'échelle. Ah putain, oui, d'accord. Oh mon dieu. Voilà. Non, c'est pas par là, putain. C'est par là. Vite. Hop. Il est où Dylan? Qu'est-ce qu'il fout Dylan? On fait trop tard, vous êtes tous morts. Enfin, de l'autre côté. Le mec il commence à gueuler, le truc instable. Dylan! Le mec, lui, c'est le mec, tout va bien. Super. Oh, bon, vous êtes sorti de la grotte. Ah, je suis un survivant, hein, je te rappelle. Le mec il saute de la falaise. Alors, ah oui, c'est bon, on est ressorti ici. Eh ben mon dieu. Ah oui, donc toi tu n'existes plus. Bien, salut mademoiselle, comment allez-vous? Vous auriez vu des ratatas dans quoi? Voilà, voilà, voilà. Eh ben dis donc. On n'était pas allé en bord. Oui, eh ben on va y aller. Rien que pour emmerder le GM. Ah mais vous pouvez y aller hein. Cul-de-sac ici. Peut-être attendre Dylan, non? Dylan il fait des arrêts. Non, non. On prend le mec qui fait des bons. Attendez, je recadre juste. Mais quelle est cette ténébrante ténébrité devant nous? Alors. Voilà, on est tombé sur Groudon. Voilà. Alors. Putain, Mewtwo sauvage apparaît. Là, c'est juste deux mecs qui s'affrontent, quoi. C'est un mystère contre un machin, là. Comment ça s'appelle?
C'est l'espèce de Yeti avec une collerette rouge. Un Vigoroth. C'est ça. Un quoi? Un Vigoroth. Un Vigoroth. C'est quoi ce truc? Alors c'est entre un marsupial et un Yeti en fait. Voilà, et c'est très paresseux. Voilà. Une sorte de ronflex. Voilà. Mmh. Un Pokémon qui ressemble un peu à son maître. Sauf qu'il a des espèces de grosses griffes en fait au bout des... C'est ça. Comme un paresseux. C'est ça. Et tu reconnais que lui, à son uniforme, c'est un ranger. Ah, un futur collègue. C'est peut-être Walker, on va peut-être lui parler. Walker, c'est que c'est un ranger. Et ils font quoi? Ils se combattent là? Ah ouais, ils se combattent, ouais. C'est un duel amical ou ils ont plein de soupe sur la gueule pendant... Non, ils se foutent sur la gueule. Ah d'accord, oui, d'accord. Et tout va bien, ici? Enfin, à qui tu dis ça? Tu t'adresses à qui? Comme ça, de manière générale? Bah, un peu, ouais, voilà. Alors, t'as le ranger qui fait... mais ce mec-là, il veut pas bouger sa tente, il construit ça alors que ça dérange l'habitat des Pokémon. Et t'as... On dirait qu'il est endormi, le mec. Chut. Voilà. Et lui il répond mais je fais ma cabane où je veux, c'est... Y a pas de panneau d'interdiction. Enfin, en même temps, c'est les rangers qui fixent un peu les règles quand même de ce que vous pouvez faire ou pas. C'est ce que je lui dis depuis tout à l'heure, mais il veut pas écouter. Du coup, comme il y avait un mystère qui est là, j'emprunte un peu ses capacités pour... débarrasser de lui, mais en fait, Vigoroth. En gros, il enfreint la loi et puis il attaque un ranger, si je comprends bien. Ouais, bah le mec, il s'en bat les couilles, quoi. Ouais, quoi. On lui casse la gueule. Et on peut pas le mettre en prison. Attends, il va mettre toute la civilisation en prison. Non, bah non, je sais pas, le mec, on le fout dans une geôle pendant 2 jours, il va être content, il fera plus sa tête n'importe où. Et vous avez besoin d'un coup de main pour mater ce malotru ou... Ça va, je m'en sors. Merci. Si vous voulez, on casse sa cabane. Oui, vous pouvez faire ça. Eh non, ouais. ma cabane. Vous pouvez la voler, moi, si vous voulez. Et voler, météore. Donc tu t'attaques sa cabane, hein. Ouais, un coup de météore. On peut pas la fouiller juste avant? Pouf. Moi, je suis pas un voleur. Ma cabane. Et la cabane du pêcheur tire à l'affaire ailleurs. Et le gars il commence à pleurer. Voilà, ça règle le problème, salut. Ouais, du coup il rappelle son Pokémon. Hop. Non, mais nous on s'est cassé de toute façon, on s'en fout. Il est parti bouffer des gâteaux. Mais vous entendez au loin que le ranger vous remercie en fait. Merci. Ouais, merci les gars. Ouais, pas de soucis. Et du coup, il relâche le mystère. Pout. Merde, oups, pardon. Et moi, je le combats pour essayer de le récupérer. Il disparaît dans la nature. Je prends pas des Pokémon plantes. Je suis pas un bouffeur de salade. Il y a une maison, là. Merde, j'ai plus bougé. Ah si, c'est bon. Allez, fermez la maison. On peut regarder par la fenêtre? Oui. Dylan! Y'a personne, hein. Y'a personne. Shadow, attaque météore! Y'a personne, hein. Vous voyez qu'elle est vide, la maison. Est-ce qu'on peut péter une fenêtre et essayer d'en rentrer? Si tu veux le faire, t'as qu'à dire l'action. On peut peut-être l'action. Regarder par la fenêtre, déjà. Mais ça lui suffit pas, il veut péter la fenêtre et rentrer dedans, carrément. Joel cambrioleur, de sentir les choses, s'imprégner des trucs. Bon. Moi je pousse ma tête. J'ai regardé. Y a pas une plaque ou quelque chose Non, c'est une maison. Tu vois que. Ben. Elle est habitée, hein, mais là y'a personne. D'accord, bon bah écoute. Je suis sûr que c'est la cabane du montagnard, vu que c'est dans la montagne. Voilà, c'est plus une cabane, hein, quand même, un peu plus. Ouais, c'est un bicoque, quoi. Continue.
Ou un panneau qui a dessus. Fais-moi un test de lecture. C'est marqué Tourbil. Quoi? Tourbil. D'accord. Mais like de la tourbe. C'est comme Tourbilol mais sans lol, donc c'est Tourbil. Ah, Tourbil. Il tourbe, Tourbil. Voilà, c'est ça. Et y a un vieux au bout là. Je lui fonce dessus et je lui fais un high kick et il tombe dans la flotte. Tortue génial. Allez, ça va. Alors ce tournoi, ça se passe comment? Hein? L'univers 7. Il y a Dylan qui marche sur le vieux. Moi je vois pas de vieux. Il l'a absorbé. Alors vous faites quoi? Vous approchez lancement? C'est quoi votre approche? Décrivez-moi quand vous approchez. Je marche normalement vers lui. Ouais, voilà. On vient pas pour le surprendre. Il a pas l'air maléfique, non? Il est maléfique, le gars. En tout cas, il est mystérieux. Il dit rien, il arrive, il est mystérieux. Oh, des petits jeunes! Oh, oh un petit vieux! Oh, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Oh. Qu'est-ce qui vous amène dans mon bon coin? Le bon coin, c'est-à-dire. Classique. Ouais. Bah on se baladait comme ça et on est arrivé ici et puis on vous a vu où. Puis voilà. Ouais. Y'a pas grand chose d'autre. Ah moment. Vous êtes pas venu me faire une petite visite? Une petite gâterie, non désolé. Il a non. Bah disons que on ne sait pas qui vous êtes donc ce serait compliqué de vous rendre visite mais. Si vous déclinez votre identité, pour vous les jeunes, je ne suis qu'un vieux qui raconte des légendes. Après, vous voulez que je vous raconte une légende? Pourquoi pas? Alors, est-ce que vous voyez? Si vous voyez, il vous pointe du, il vous pointe du doigt là. Il vous pointe du doigt par là. Par là. Votre maman vous a jamais dit que c'est pas mal de pointer du doigt? Dans cette direction, vous trouverez comment? Des grottes mystérieuses, des temples. Ah ouais, carrément. Et il y a des énigmes à résoudre, mais personne n'a su les résoudre. Quand vous dites dans cette direction, faut y aller à pied ou on peut sauter sur les pierres pour rejoindre le truc? Non, mais la flotte. Et hop. Je te rappelle, la mer elle était pas forcément d'huile la dernière fois. Non. Et puis, si tu peux aller là, puis après tu meurs noyé, mais bon. Je sais nager, ça va? Oui, bah tu demanderas ton salaire. Non, le courant est assez fort. Et quand vous dites là-bas, on peut y aller ou on peut pas y aller? Bah, ça dépend. Si vous avez un Pokémon qui peut vous aider à nager, oui, peut-être. Après. Ouais, un carapuce, mais. Après la suite, est-ce que vous arriverez à déchiffrer les énigmes? Est-ce qu'il nous donne une clé si on déchiffre les énigmes? Alors, mon premier indice, il y a 3 temples. Bon bah du coup on reviendra là quand on aura quand on sera nagé quoi, si je comprends bien. À force d'avoir plein d'endroits où il faudra qu'on retourne, moi je vais pas me souvenir. Hein. Bah si, c'est pas si compliqué que ça, l'arène où il faut avoir des badges c'est sur cette île. Donc ça veut dire que l'arène où on doit chercher un des badges, c'est sur cette île, donc fatalement on va y revenir. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne que quelqu'un apprenne le surf avant qu'on revienne ici. Ou alors avoir un Pokémon qui me permette de traverser. Bah donc il y a un Pokémon qui maîtrise surf. Ah, faut absolument avoir surf pour pouvoir passer. Ah ou bah ou vol. Un aquatique. Limite, mais bah normalement non, t'es obligé d'apprendre la CS surf pour pouvoir utiliser. Ouais. GM valide. Je valide. C'est validouille. Okay.
Après, et si on s'achetait un surf, une barque. Et puis ça veut dire qu'on doit avoir un gros truc quand même, parce que apprendre surf à Carapuce, ça va être emmerdant si on doit. Bah Sacha, il utilise Carapuce pour aller sur l'île de Mewtwo. Ouais, mais il est tout seul. Bah, j'ai pas dit qu'il viendrait avec moi. Bah, bon courage pour les énigmes. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis on a qu'à attacher une ficelle à Carapuce, il nous traîne tous les trois derrière. Toi, t'as ton Magikarp, voilà. Mais c'est vrai, en tu plus. Me prêtes Krabby en fait. Moi je te prête Krabby sans souci, mais. Mon Magikarp il peut pas m'aider à faire bouée pour aller à un endroit. Il va rester sur le bord, ouais. Il va couler, il va se noyer le truc. Hein? J'aime. Mon Magikarp peut-il me servir à me déplacer dans la flotte? Ça fait non. Un brassard. Non. Ah bah non. Il sert à quoi? Il sert à rien. Ah, pour l'instant, ton Magikarp il est pas très fort, hein, ton Magikarp. Un poisson qui peut pas m'aider à poissonner, quoi. C'est quoi ce bordel? Bon bah, faudra y aller un jour, hein, tant pis. Faut qu'il soit en Léviator, là, t'es tranquille. Ah mais pas Léviator, oui, mais ça c'est sûr, oui. Si on doit attendre que j'ai mon Léviator pour y aller, on est mal barré. Ah, tu profites d'ailleurs pour le sortir surf, et le faire quoi. Faire trempette juste devant. Ouais. Bon, en attendant que le vieux nous parle de sa légende, là, de Tunzu, là. Est-ce que vous sauriez ce qui se passe un peu, d'ailleurs, dans le coin, là, parce qu'il paraît que la mer est agitée, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. C'est vrai, cet homme dit vrai. Ah bah moi j'ai pas la télé dans ma baraque hein. Oui bah, comment là... tu parles le vieux maintenant. Moi tu sais je lui pose une question innocemment. En plus les autres c'est parce qu'ils ont vu le temps tourner avec des Pokémon qui s'envolent partout. Le mec qui m'envoie chier, merci. Ouais, mais gros, je vais le pousser à la flotte qui va se démerder. Les jeunes là, qu'est-ce que c'est bon, ça. Il fait, ah, moi je lis le petit journal et non, il n'y a pas d'événement sur. Il n'y a plus le petit journal, monsieur. Sur ce que vous dites. C'est... Mais c'est El Figaro, c'est pas un journal télévisé, c'est un journal à papier. Ah, les jeunes de nos jours. Et donc, du coup, il n'y a rien qui vous. Parce que vous êtes quand même assez ancien, donc le fait que le temps il tourne, qu'il y ait plein de Pokémon qui aient un peu peur, qu'il y en ait qui soient moitié empoisonnés, on sait pas pourquoi. Un peu de moisi, le vieux. Vous avez peut-être vu déjà ça. Moisi bah... Tu lui dis ça, vieux? Mais non, c'est pas ça. Vous êtes moisi, monsieur. Eh ben c'est pas parce que je connais des légendes que forcément je connais tout sur la Terre. Bah ça faisait un peu genre quand même, merde. Bon. Ah non, moi je regarde la mer et je sais qu'il y a... Ah, bien joué. Il y a des îles bizarres là-bas, mais voilà, c'est juste pour le tourisme que je fais ça, après... Hey, ouais, c'est d'accord. Super, ouais. Bon, on va pas y aller. Moi je viens prendre l'air. Ah, On vient de démasquer le vieil imposteur. Par contre, il est même pas vieux en fait. C'est du juste maquillage, c'est un imposteur. Il a juste tiré sa barbe pour voir ce que ça donne. Non, c'est un vrai vieux. C'est un vrai vieux. Avec des puces et tout. Monsieur, et la maison qu'on est passé à côté en arrivant jusqu'ici, c'est la vôtre? Ouais, c'est ma maison. Ouais. D'accord. Et là je dis, t'as pas besoin de rentrer dedans, il doit rien avoir d'intéressant de toute façon. De toute façon là je prends l'air. Ah bon. De toute façon là je prends l'air, le mec quoi. Le lien est total quoi. En même temps quand on voulait parler donc. Non, il parle normalement. Bah lui aussi du coup. Bah salut boule de billard hein, et puis Bon bah bonne contemplation de la mer. La mer monsieur. Merci les jeunes. Le vieux pardon. Ouais bonne aventure gamin. Je peux quand même le pousser dans la flotte. Est-ce qu'elle est fermée sa porte? Ouais c'est fermé oui. Oh. Il y a une serrure dessus, on peut peut-être la crocheter. C'est fermé mais il n'y a pas de serrure. Du coup c'est emmerdant pour rentrer. Non, c'est pas la fenêtre en fait, les fenêtres s'ouvrent toutes seules.
Bricolage. Bref, c'est un mur derrière. C'est plus ça, un bricolage. Je peux essayer de crocheter, non? Non. Quoi, tu veux cambrioler la maison? Non, non. Bon bah il reste avec. Dylan qui reste avec le vieux. Je peux être contemplatif avec lui, non? Et moi j'ai remis. À un moment ils vont se tenir la main. Ils vont se regarder les yeux dans les yeux. Bon allez le vieux, salut. Salut petit jeune. Au moins t'étais sympa toi. On repart dans la grotte. Oh oui. Ça avait l'air trop cool. J'avoue qu'il y avait le montagnard. Alors, quand vous serez ici, vous me ferez un jet de détection. Hop, moi je saute. Arrêtez-vous avant. Guerrier. Ouais. Moi je propose qu'on tourne dans la grotte, mais qu'on fait. Ah, je vois un truc d'ici qui bouge, une flèche. Ah mon dieu, une flèche vivante. Détection, tu dis. Descendez par là, oui. Ouais, c'est clair. Ah, moi je vais sauter là. Hop, je saute. Alors, qu'est-ce que je vois? Attends, est-ce que je l'ai au moins? Ah. Ouais, merde, comme j'ai plus mes stats Pokédex, ça va être chiant, fais chier. Faut que je change de Pokémon. Putain, les gars, quoi. Ouais. Putain, c'est dommage. Pourquoi ils l'ont. Technique, ça va être la merde aussi. Ben... Ils comptent plus remettre ou pas? Non, ils comptent plus leur remettre, justement, je vais demander à. À voir les sources. Ils vont me les transmettre bientôt. Ah! Donc là je fais ça. Bon, c'est pas vraiment. Alors, vous avez réussi. Ce que vous pouvez observer, c'est qu'il y a un Fampi qui boit. Cool, allayé pour moi. Hein. Qui boit là. Un Fampi. Ah, je mets mon haro dessus là, c'est pour moi ça. Ouais, bah moi aussi. Ouais, moi aussi. Je sais pas ce que c'est, mais vu que vous avez tous le verre vouloir l'avoir, je veux. De toute façon, c'est le premier qui arrive. Hop, je saute. Non, c'est trop tard. Hein, j'ai peur. En plus, mais bande de déglingue. Il a sauté trop loin. Allez, doucement, s'il vous plaît. Allez, il se rafraîchit. Non, je rigole, je m'en fous. Moi aussi. Donc, et t'es voilà au moins. Moi, je vais venir à côté, je vais dire « Salut, gentil Fampi, est-ce que tu veux m'accompagner dans mon aventure ?» Non, allez, plus sérieusement, parce que là, ça part en cacahuète. Vous allez repartir d'ici. Là. Au moins. Et vous allez me dire comment vous agissez. On pousse à ramper. On s'approche silencieusement de lui. Dylan sort son couteau. Ça, je vous empêche. Non, bah, je sais pas. Non, moi, je vais arriver. Plus ou moins accroupi, du coup. Enfin, en tout cas, pour être à peu près à sa hauteur, en fait. Pour pas qu'il se sente menacé. Fampi. D'accord, merci. C'est une invitation. À partir de maintenant, tu nous feras tous les Pokémon, s'il te plaît. Je sais pas du tout ce que c'est, ce truc. Une sorte d'éléphant dégueulasse, un truc comme ça. Non, un éléphant dégueulasse. Ça va. Ça va, ouais. Donc, il boit, puis il vous observe. Est-ce que je peux lui donner à manger? Oui, qu'est-ce que tu étends? Bah, ce que j'ai. Donc, je vais voir ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as? Pas la bécitrus, pas la bécitrus. C'est pas empoisonné, ouais. Ça, en plus. Moi, j'ai une baie Oura, si tu veux. C'est orange, déjà. Hein? Sérieux? Pourquoi j'ai écrit Oura, moi? Parce que c'était beurré. C'est une baie comment? Oran? Oran. Comme orang-outan. D'accord. Donc, tu lui donnes quoi à manger? Bah, si t'as besoin, j'ai une baie. Je regarde...
parce que pour moi les bestioles russes c'est pas forcément mauvais. Bah théoriquement ça restaure les PV. Ah mais c'est acide. Et ce que le Pokémon aime. Eh oui. Et la Béoran, la Béoran. La B... Ah mais la Béoran, putain j'ai l'appelé la Béora toute ma vie moi, c'est bon. Et bah si tu veux je t'échange une Béoran contre une Bé-Citrus. Non non, enfin regarde là pour l'instant, t'inquiète. Ok. Je te file la Béoura. Ouran. La Béoura. Et bah du coup je lui tends la B. Ok. Ok. Et avec sa trompe il sniffe un peu. Et il a l'air intéressé. Et de la bonne. Et puis il s'approche un peu. Est-ce que je suis à... Est-ce que je suis à distance de lui pour arriver à lui... à tendre ma main et à lui toucher la tête ou pas? Oui. Je te fais tout doucement du coup. Ok, bah... Qu'est-ce que tu fais la Béouran, il peut la manger, là? Oui, oui, oui. Mais il la prend avec sa trompe et il commence à l'apprécier. Il est content. Et bah du coup, j'ai essayé de lui caresser la tête, si j'arrive. Alors, tu vas me faire un test. Un test de caresse de tête. Lol. Non, un test de... zoologie. Oui, ah bah c'est cool, là. Donc Vince, il est en train de l'amadouer, là. Il est pas sur ses gardes. Moi, pendant qu'il fait ça, je sors mon couteau et je me dirige derrière lui. Je t'arrête. Je vais garder tant pis. Attends, du coup, je vois pas le danger. J'ai fait 8. 8, c'est 8. Alors, c'était quoi la difficulté pour ce vampi? Blablabla. Quoi le test de biologie? Nature, ça? Ok, bah tu réussis à le caresser. Non, zoologie. Ah, pardon, j'ai compris biologie. Biologie. Bah, ça aurait pu. Bah, du coup, je vais dire. Est-ce que tu veux m'accompagner? J'en aurais plein d'autres. Et puis, on pourra un peu se balader partout et voir plein de choses. Bah là il a l'air de se frotter contre toi. Ah donc ça veut dire en fait. Qu'il... Bon du coup je prends ça pour un 8, du coup je vais essayer de sortir ma Pokéball. Enfin une Pokéball. Ok, ensuite? Bah du coup je vais dire si ça te dit de m'accompagner et ben je l'envoie. Ok, du coup pop. Ta capture se passe bien. Ouais. Tu as gagné un fampi. Cool. Par contre pour les stats ça sera pour la prochaine fois vu que je n'ai pas eu le temps de les choper sur le site. Ok, pas de soucis. En plus, c'est bien un vampire parce que si un jour on est en manque de nourriture. Non. Si on est en manque de nourriture, il y a un Magikarp. Donc, ouais, mais mon vampire tranquille. Après lui, on mangera le vampire et après mon Krabby, quoi. Il faut en arriver là, mais. Voilà. Bon, avec le vampire, on a déjà de quoi revenir, non? Je pense qu'avec la Magikarp, c'est. Oh, c'est plus gros, hein, Fampi, non? Oh, moi, gros, je vous dis tout de suite de le laisser même, tranquille. Hein. Sinon, ça va très mal se mettre. On fera ça pendant que tu dormiras. Moi, je vais partir dans la forêt tout seul. Oh, si t'as pas d'humour. On l'a repéré de loin ce truc hein. C'est ça, j'ai réussi.
Tout à fait. Par contre, j'ai oublié de remplacer ce bateau. Ah, il est là en fait, c'est bon, courez les mecs, il va pas partir sans nous, vite. Tenez, j'ai plus de jeu sur vous sur la map là, c'est... Hop. Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Désolé. On est reparti vite. Ah, je m'en dis, elle est là. La montagne a changé. C'était une illusion. Hop. Hop, hop, hop. Donc c'est plus ce bateau-là, c'est celui-là. Putain. On n'a pas perdu au change, hein, je trouve, hein, ça va. Hein. Les navettes, elles sont plus grosses que les bateaux principaux. Ah. Voilà. Ils l'ont dégonflé un peu. C'est qui la dame, là, la personne qui est à côté de moi, là, c'est quoi? C'est qui? Voilà. De quoi? Ouais, c'est un... C'est un mec qui regarde l'eau, c'est tout. Bon. Il te repose. Rien ici, les gens. On va au bateau ou on essaie d'aller plus au nord, voir ce qu'il y a? Pas faut y aller en haut, hein. On n'est pas encore allé en haut non plus. Donc. Ouais, enfin peut-être après, je sais pas jusqu'où on peut aller, mais voir ce qu'il y a pour jamais. Bah quand même un peu. Ça. Ouais, bah ça me va. Si vous voulez y aller, on y va. Hop. Non, c'est bon. Ouais. Vite, on va prendre les barques de l'amour. Il marquait quoi sur le panneau? Il marquait tout droit, allez, tour dresseur. Hein. Un petit baigneur. J'ai pas entendu ouais. Avec le baigner. Et ouais, il se baigne. J'ai pas entendu ce qu'il t'a dit. Il marquait quoi sur le panneau? Tout droit, tour dresseur. D'accord. C'est quoi le truc au loin là? On dirait un tentacule cruel. C'est ça exactement. Où ça? À droite. Mais non, c'est pas un temps. On voit bien que c'est une mamie qui nage. C'est pas une mamie, c'est un mec qui a un bonnet et il nage. Ah mon dieu, il est une mamie. J'aurais dit un tentacule. Tentacule. Bah alors t'as jamais vu tentacule? Bah moi j'ai vu des roues carnage toujours. Hein, ouais, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle de dindon là ou pas? Ouais, enfin, excuse-moi, mais le dindon, il était mon plus grand dindon mec. Dindon jaune, ouais. Bah, je suis désolé, on dirait un tentacule cruel. Une espèce de grosse masse un peu grise au-dessus, avec l'espèce de truc qui dit un truc, là, bah ouais. Et bonjour, monsieur. Ah, bien le bonjour. Bonjour. Vous voulez emprunter une de mes barques pour aller sur l'autre rive, pour la tour dresseur? Il me dit, là, c'est une tour dresseur, là-bas, qui ouais, ouais, les gens empruntent mes bateaux pour la tour dresseur. Après, bah, c'est 50 pokédollars. Hein. Ah ouais? Mais c'est parce qu'on est hors saison, hein. Sinon c'est 100 pokédollars en saison. Là, mais y'a quoi en fait à la tour dresseur? C'est des gens qui se mettent sur la tête ou c'est quoi, comment ça se passe? Bah, des fois il y a des concours de beauté, des fois juste des combats avec des dresseurs, mais là en ce moment c'est pas la saison. Et ouvert ou pas? Parce que si on y va pour rien. Voilà, pour l'instant c'est pas la saison, donc vous y trouvez juste mon avis le guichet qui est ouvert, mais mon avis il se passe rien. Ah ouais. Et c'est quand la saison? Est-ce qu'on vous peut, on peut vous payer le billet maintenant, mais le prendre en pleine saison? Ah non, c'est tout de suite, hein, parce qu'après j'ai besoin de mes bateaux, moi. Bah, s'il y a personne, on n'en a pas vraiment besoin. Quoi. Ah, mais une fois que vous payez le prix, c'est pour traverser sur le moment même, pas. Oh. Pas pour l'utiliser après. Ouais, du coup, ça sert à rien qu'on y aille maintenant, non? Bah, pour nous, non, mais pour lui, ça lui fait de l'argent, quoi, donc il va pas se refuser d'y aller. Ouais. Bon, ça ira, merci. Puis
puis les baigneurs, ils y vont comme ça, ou c'est profond? Ah oui, la mer, elle est calme, ouais. Enfin, c'est pas une mer, mais c'est juste... Bon, on peut traverser à la nage, hein. Après, vous serez tout mouillés, hein, vos vêtements. Eux, ils ont... Ça la mèche. Ils sont mouillés de bain. Bah, oui. On peut enlever nos vêtements, on les met dans un sac hermétique. Est-ce que t'as un maillot de bain? Bon, si pour moi, j'y vais tout nu, hein. Ah, mais ça me gênera pas. Attends, t'as la pudeur. C'est pas lui qui sera le plus gêné, apparemment. Ça, c'est sûr que ça va en gêner plus d'un quand ils verront. Non, c'est bon. Lol. J'ai déjà un fampi, ça me suffit. Bah du coup salut hein, monsieur oui. Jolet escroc. Bah pas vraiment parce qu'il t'a quand même... enfin, vous avez quand même dit qu'il y avait rien à la tour. C'est vrai, il a dit ah bah oui, bon, oui, allez-y. Non, mais... non bah quand je lui ai demandé si ça avait quelque chose d'y aller, par contre. Bon, c'est pour votre culture personnelle, c'est pas mal. Après il y a des gens qui la visitent hein, par curiosité. Bon, de toute façon on va revenir donc on verra le prochain coup. C'est vrai. Au revoir monsieur le passeur. Salut. Même qui regarde un peu plus, droit dans les yeux. Quelque chose se crée entre deux. Demande-lui s'il a un compte en Suisse. Du coup. C'est bon, il y a tout le monde, on peut y aller. Oh, mais pourquoi j'ai bougé la map, merde. Mon dieu, le sol se dérobe sous nos pieds. Hein? Comment ça? Non, rien. Ah, j'ai eu peur. Alors... En plus, de mémoire, Olyville doit être une ville côtière. Donc il y a moyen d'accrocher une navette. Yep. C'est un peu flippante les bras mécaniques là. Les cales de bateau Oh ça va, j'ai pas trouvé de hangar. Metal Gear Solid, Metal Gear Vex ou Doom effectivement. Je dirais des chefs cuistots les mecs, ça me perturbe à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Moi je vais les voir, je vais dire bonjour. Tu parles au mec qui est là? Enfin, aux deux mecs? Non, je viens par ici pour parler tout seul à la. Ouais, je demande confirmation parce que des fois avec vos conneries, c'est jamais. Hein. Bonjour. Ouais, bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Ah, bah, on répare un peu. On travaille, nous. D'accord. Il y avait pas des ratata ici? Ah bah pourquoi il y en aurait, on n'est pas dans le même bateau. Non, c'est pas le bateau, ça. Non, là c'est le hangar. Là. Ah, c'est autant pour moi. Oh, c'est possible. Tout de suite, là. Par contre, peut-être qu'on a rien à foutre là. Ouais, c'est possible. Vieux, il m'a énervé. Attends, c'est un lapin le truc à côté là. C'est un mangriffe. Mais non. Un quoi? Un mangriffe. C'est une sorte de lapin ou c'est relou? Non, c'est. C'est compliqué à décrire. Ouais, c'est compliqué. C'est une sorte de chat. Ouais, regarde ça. C'est M-A-N-G-R-I-F. Ouais, mangriffe. Regarde dans le Pokédex Google. Alors, mangriffe. Donc, du coup, il y avait des ratatas ici. C'est un peu comme un chat, mais c'est un chat bipède avec des grosses griffes en fait. Ah, ok, ouais, je vois. Comment vous savez que c'était des ratatas? C'est vous qui avez fait le coup? Quel coup? Regardez, ces fils, ils sont complètement rongés. C'est vous, vous avez saboté le truc, c'est ça? Non, rongé, les câbles électriques, nous, ah, mais c'est à vous, les ratatas. Non, d'ailleurs, moi, je voulais vous en débarrasser, il y a une personne qui m'a empêché de le faire. C'est peut-être elle qui les a bouffés, d'ailleurs. Ouais. Donc, si vous la trouvez, d'ailleurs... Ouais. Elle s'appelle Alice, elle a un bulbe bizarre. D'accord. Et sûrement une flûte qui génère des ratatas. Attendez, j'ai un problème de...
Ratata. Pour charger la... Pour charger. Ouais, tout le monde qui s'est cassé, moi. Et j'ai un problème aussi sur... Même sur le stream, là. Wow, wow, wow. Doucement, là. Moi, j'ai un écran noir et j'ai un mec qui joue de la flûte. C'est sûrement le joueur de flûte qui appelle Ratata. Ratata. Ah, moi aussi, j'ai un écran noir. Ah non. Ah, c'est bon. Un peu, ça recharge. J'ai eu peur. Et mardi, là? Mardi? Bon, ce truc. C'est bon, tout le monde est là? Attends, je regarde. Je vais juste baisser un peu la musique, hop. Voilà. Mais ça a du mal à charger sur le stream. Ouais, c'est bon. Hop, un petit zoom. Oula, ça c'est trop gros. Il faudrait une autre personne qui gère ça, parce que là c'est un peu galère. Voilà, c'est bon. Ok, nickel. On peut reprendre. Donc Alice, Bulbizarre, elle est recherchée. D'accord. On est désolé, okay. Hein, moi je voulais bon m'en courage. Occuper, on m'a empêché de le faire. Ouais, du coup on répare ça. Voilà, quel malheur. Oh mais quel malheur. C'est moi, qui sans Goku Eh non, c'est l'inspecteur c'est Yamato. Ah, et t'aurais dû le mettre en bleu, ça aurait fait encore mieux. Non, c'est l'inspecteur Yamato. Moi je vais parler à la femme là. Bonjour. C'est pas une femme, c'est un... Ah bon? C'est un mécanicien. Ah merde. Mais laisse travailler les gens, toi, t'embêtes tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Il a des lunettes, le mécanicien, quoi. Bah, c'est des lunettes de protection. C'est un informaticien, qu'est-ce qu'il fait là? Le mec, il est en train de souder des trucs. Et... Il est sur un panneau de contrôle, quoi. S'il vous plaît, reculez, il y a une zone ici à pas franchir. Non. Merci. Je vois bien dans son caractère, c'est il met le pied au niveau de la ligne, il passe au-dessus du pied. Et là, j'ai le droit. Bon ben, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, vous voulez me parler ou... Non, j'ai plus envie. Ah, me dérange. Il y en a qui travaillent ici. Bon bah moi j'y vais. Ah bon, je vous attendais. Donc c'est l'inspecteur qui est là. Ah, je vous attendais. Oui. Je vais prendre la navette avec vous pour aller sur Olivier là. J'ai un déplacement aussi à faire là-bas donc. D'accord. T'en faire une pierre deux coups. Donc ben, on va monter sur le bateau. Hop. Let's go. Alors, est-ce que j'ai une musique de bateau? Musique de bateau. J'ai pas de musique de bateau. Est-ce que petit j'ai une bateau. J'ai pas de musique de bateau. C'était une musique de bateau. De bateau. J'ai faim. Bateau. Delphine bateau. Peut-être. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. Oui. Le néant. Voilà. Et là vous voyez. Mon Dieu, je suis aveugle. Voilà. Donc vous êtes en route. En route. Vers Olivier là. Il n'y a pas de musique de bateau. Là, eh, là il y aura un iceberg. J'ai pas de musique pour le bateau. Ouais mais là c'est triste là. Moi ça me sort du truc là. Musique bateau, musique attends, bateau. Regarde, je fais les vagues. Je fais des mouettes. Musique bateau. Je t'amène une grosse playlist que. Et là, je fais Dylan qui est malade. C'est pas... On va reprendre celle-là. Non, c'est trop calme ça. Non, c'est la même que tout à l'heure. Ah oui. Non, ça, c'est la Density. C'est le bateau joyeux. La croisière s'amuse. La croisière s'amuse. Le bâton va à fond, il a sorti ses rétropropulseurs. Pouf, on part dans le futur. Vitesse lumière, chez oui. Oh.
Non, effectivement, t'as pas de musique des bateaux. J'ai pas de musique des bateaux. Oh, ah, ouais, tant pis. Si, c'est celle-là, allez, la musique bateau. Voilà. C'est du début. Donc voilà, vous êtes sur le bateau. Et vous enfoncez plus dans la mer. Mer qui est agitée quand même. T'es sûr d'y aller hein? Alors, soudainement, il y a du brouillard. Du brouillard. Oula, le brouillard se déplace. Ce qui est logique. Faut que je le mette en arrière ou en avant? En arrière, voilà. Voilà, ça c'est mieux. Comme ça je peux déplacer le bateau. Hop. C'est un smogogo qui a fait ça? Alors, à un moment donné... Il me faut une musique... Ta-ta-ta-ta-ta... Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Je déteste cette musique en plus. Ah bon? Ouais. C'est parce que t'as aucun goût, ça. J'en ai trop, justement. Télé... Oula! Ah là, non, c'est avant. Non, arrière. Voilà, c'est bon. Hop. Vous avez des léviators. Hé, copain. Bah, faut voir. Mais ils vous ignorent. Ils éclairent ton magique, hein. Attendez, un pote à vous. Ils vous ignorent les magicarpes. Les magicarpes, les léviators. Les léviators vous ignorent. Ouais, alors ça, c'est pas forcément super bon, quoi. Ah bon? Ah ouais. Ben, des léviators qui se barrent, ça veut dire qu'il y a un truc qui leur fait peur. Bon. Par contre, ah, ça fait chier, le brouillard qui s'est enlevé. On y est tous. Bah, ils reviennent, ils vont du non, 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 rien. Est-ce qu'on peut essayer d'en capturer un au passage? C'est clair, comme ça je pourrais jarter mon magicien. Vous avez. Un tentacool. Ah. Alors, ah vous oui, avez deux tentacools et un tentacruel qui vous attaque. Il attaque le bateau. Yop. J'ai encore des Pokéballs, moi. Ah, il m'en restait une seule en fait. Merde. Initiative! Et là, cette fois-ci, il y a... Il y a l'inspecteur qui... Attendez-moi, je viens vous aider. Attendez-moi, je viens vous aider. Moi, je vais capturer le tentacruel. Alors, il sort son Pokémon. Vas-y, Max, à toi. C'est quoi, c'est quoi ça? Ouh. Une sorte de chien loup cerf biche. Non. C'est un Absol. Un quoi? Absol. Oh, putain, c'est quoi encore ce truc? Ça, ouais. C'est cool. Est-ce qu'un jour il y aura des Pokémon qu'on connaît? C'est normal, t'es débutant, tu connais pas tout. Mais ils sont assez cool, j'aime bien. Je sais pas où on le trouve d'ailleurs. Mais... Bah, essaye de le capturer. Alors, initiative. Ah ouais, c'est vrai qu'il est pas il avait pas l'air dégueu. C'est une marque de médicament aussi, Absol. En fait, il a une espèce de croissant de lune devant le. À l'avant. J'avoue, j'aime bien, je voudrais bien, hein. Est-ce que je peux lui demander de me le donner? Non. Il est dans les Pokémon capturables ou c'est... Oui. Il doit être dans les 305... C'est la troisième génération normalement. Ça. Alors il va faire un jet dextérité. Il va vous accompagner. En plus il a des ailes dans une autre forme. Ça c'est sa forme méga évolutive mais... Ça n'existe pas. Alors hop. Ah merde. Donc ça, dans c'est... les méga évolutions, c'est dans la saison 19 ou 20. Oui, non, mais. Comme ça ça c'est Absol qui fait ça. Peut-être dis-lui que Tentacruel, tu vas essayer de le choper et qu'il y aille mollo dessus.
C'est bizarre, je vois pas qui écrit Tentacruel, Tentacool. Pourtant j'écris les noms. Au pire c'est pas très très... Ah bah c'est bon, mais je vois. Attends, je les mets. Tentacool 2. Et... voilà. Tentacruel. Attends, j'aurais dû laisser les stats comme elles étaient, parce que j'ai baissé par peur. Puis quand je vois le Evoli super cheaté... Ok, du coup les tentacules. Les tentacules. Alors. Tentacules, ça c'est au tentacool de jouer 1, 2. Ça c'est le tentacool 1. Ça c'est le tentacool 2. Et le tentacruel. Ok, bah il va commencer le tentacruel. Ils ont pas les mêmes niveaux d'initiative, les deux tentacool ? Non, ça peut différer. D'accord. Faut qu'on ne sont tous pas les mêmes. Alors, il va faire une acide. Acide. Il va faire attaque acide. Sur... sur... Evoli. Oh. Alors, est-ce qu'il va réussir ? Eh non, il est fou. Oh. C'est moche un tentacool quand même. Il se blesse. Sa folie lui inflige des dégâts. Alors, acide. Ok, donc 4. En fait, il s'est auto-acidifié, c'est un peu comme si un Venomorph. Alors, c'est pas très particulier. Techniquement, c'est pas possible, mais ouais. Voilà. 19. Si, c'est peut-être. Il a un problème de gorge. Ok. En plus, il a fait un magnifique jet. Ah ouais, ça sans... fait ça comme dégâts. Mais en même temps, il s'est renvoyé donc. Bah heureusement que tu les as baissés hein, les machins, parce que putain, ça ce truc là, ça peut limite me one shot moi. Bah ouais, c'est bien un petit... J'ai oublié d'ajouter la défense physique. 14, ok. Calculette. Attaque calculatrice. C'est très efficace. La puissance des mathématiques. Il s'est fait mal, hein. Je vous le cache pas. Ah, c'est le tentacruel qui a tapé, d'accord. Ah oui, il envoie des attaques de ouf en plus. Donc, Il s'est défoncé la gueule. Ah, il s'est défoncé la gueule, lui. Là, tu peux le dire, il y a peu de chance, hein. Faudrait limite faire gaffe hein, quand on va le taper. C'est Absol qui va continuer. Alors Absol. On y va tranquille avec le tentacruel, hein. J'aimerais le choper. Tu veux le choper? Ok, bah je vais me débarrasser des tentacool alors. Tentacool. Au moins que ça vous intéresse aussi les tentacool. Non. Ouf. Mais ils sont moches. Ils ont vraiment des têtes de con. Des têtes de clan. Ok, bah je vais m'attaquer le 20. Alors. Non, je vais faire un regard noir au tentacruel, comme ça il pourra pas s'échapper. Du coup, Absol, attaque regard noir. Hop, le tentacruel peut pas s'échapper. Il peut pas fuir. Bah, ça c'est fait. C'est au suivant, donc qui a fait moins de 24 après 4, 13 ans. Et combien encore? Ah, il y a eu les tentacool qui étaient là. Ouais, j'ai fait 12. Il y a un tentacool qui a fait 16. Aussi. Non, 16. 16. Ouais, 16 et 13, ouais, ils sont tous devant. C'est le tentacool de
tous il va faire Darvenin sur... Daredevil. Darvenin sur Salamèche. Eh merde. Ouais. Alors, hop. Attends que c'est pas sur moi, tu sais. Ouf. Oh, c'est raté. Eh ben, détends. Oh, non, c'est pas raté. Alors, plus la force, il a 7. Tête 9. Donc c'est la physique. Donc tu dois retrancher de l'endurance. Est-ce qu'il t'empoisonne? Il t'empoisonne pas. Bon, un dégât, je m'estime heureux. C'est entre... Vas-y, Shenzo. Tu peux attaquer, Shenzo. Vas-y, Shenzo, tu peux attaquer. Ok, bah, Météor sur Tentacool 1. Prends-toi 26 dans le pif, merci, au revoir. 26 sur Tentacruel. C'est gratuit, c'est pour moi. C'est de l'endurance, hein, c'est ça. De toute façon, à mon avis, il va mourir. C'est de l'endurance. C'est sur le 1 que tu le fais. Oui. Ok. C'est au Tentacool 2 d'attaquer. Il va faire constriction sur. Alors, toujours le au hasard. Sur Evoli. Oh. Constriction. Ouf. Oh. Non. C'est un critique. Oh. Donc ça fait 4. Alors. Ah. 4 plus la force qui est de 7. Donc ça fait 11. Fois 2. C'est moins quoi? C'est physique. Endurance. Moins endurance, c'est de l'endurance. Endu, j'ai 7. Ça a piqué ça. Sur 22, ça fait 15. Et j'ai 28, il me reste 13 HP. Non, il te baisse pas ta dextérité 2. Bon, ça c'est déjà bien. Ensuite, 13, 12, John. Oui, t'as la mèche. Attaque griffe sur Tentacool. 1. 1. Ouais, pas la peine de faire. Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon, tu l'as tué à mon avis. Non, je veux quand même faire mon attaque. Vas-y, fais les dégâts. Boom. Alors, pop. Sur le 1, c'est ça? Ouais. Physique. Ensuite. Bon, il doit rester un point de vie. Ouais, c'est bon, il est. Bon. Il est mort, c'est bon. Dylan, c'est à ton tour. Ah, bah, je vais attaquer. Attends, je vais réfléchir un tout petit seconde. Si je vais faire une charge sur le Tentacruel. Alors...
Ok. Hop, donc ça touche, on est d'accord. Ça touche, ouais, ouais. Et... Donc c'est plus 5 plus la force. Hein. Il est 5 plus la force. Oui. Alors, 8. Effectivement. Ça lui fait rien. C'est pas très efficace. Ouais. Ok. Je pense qu'il faudrait que tu fasses un météore dessus. Non. Je crois que malheureusement... faut qu'on se débarrasse de l'autre et que... Enfin... En fait, ouais. Non. Faut pas qu'on se débarrasse de l'autre en fait. Enfin si, mais du coup je vais pas le faire moi. Parce que sinon on va le cramer tellement rapidement que si l'autre on va le descendre trop rapidement aussi en fait. Initiative. On va attaquer. Hein. Initiative. On peut juste lui faire des attaques de déstabilisation, on va dire ça comme ça, genre des gros yeux, des merdes comme ça. Alors il a quoi déjà comme... On va faire avec l'autre, nous tape plus dessus aussi, parce qu'on aura déjà celui-là qui va nous taper dessus. Alors ça c'est le Absol. En fait ce que j'aimerais bien faire c'est un petit bâillement sur le tentacle, moi après. Si on arrive à l'endormir on va être peinard. Quoi. Alors, ouais, alors... J'essaie d'engager le tentacle déjà. Le tentacruel... Ouh. Putain, ils jouent tous devant nous pour l'instant. Et le tentacle, le tentacle, c'est le 2. Merde. Ah bah il a fait un échec critique. Je recommence. Alors, 1 dé de 10. Il a brisé en 1. Voilà. C'est au Absol d'attaquer. Météore. Alors, il va faire un aéropiqué sur le tentacle 2. De... Donc, il est fait. 1d6 plus. C'est attaque physique, donc c'est de la force. 11. Comme ça n'échoue jamais, ça fait 16. Le toucher. Ok. Hop. Alors ensuite, c'est au tentacruel. Le tentacruel qui va faire... Il va refaire un acide. Météor. Non, un vibre à quoi ? Vibre à quoi ? Il va faire attaque vibre à quoi ? Il va le faire sur... Sur Carapuce. Vibre à quoi sur Carapuce ? D'accord. Maintenant, c'est les dés qui décident. Alors... Vibre à quoi ? Précision, 100, hop. Ah ouais. Il réussit. Non mais je veux dire 90 du coup, ah oui. Je le passe à 90. Donc il réussit. Tu crois que t'as les dégâts ou quoi? Et j'ai oublié de noter les dégâts, merde. J'ai oublié de noter les dégâts sur... Ouah, c'est pas très important, c'est un des deux... Non, c'est un des... Ouais, c'est bon, j'ai... C'est marqué. C'est un des deux, un c'est des deux. Un des ouais. 2, 6, plus... Plus 20 de... Le spécial... La volonté. Ouf.
Mais c'est divisé par deux vu que la flotte plus la flotte, ben, c'est plus flouf quoi. Wow. D'ailleurs. Il y a un bonus de 19 à tout le truc. Oui, oui, oui. C'est... De Dieu. 21. On peut dire qu'on en aura chié pour l'avoir celui-là. C'est 11, t'as arrondi à 11. 11. Là, t'imagines un critique ? Moi, je suis un paquet one notif. C'est des paquets one notif. Oh, c'est ça, hein. Et alors ? Le dégât, moi, dessus. Je vais avoir tout à l'heure. Non. C'est eux qui te font le double de dégâts. Puis il faut que ce soit une attaque de typo, en fait. Et non, ça ne te rend pas confus. Bah, je comprends pas ce que j'ai marqué, là. C'est pas grave. T'occupe. Le feu, ça se fait éteindre par l'eau. Et pas l'inverse. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est pour ça que j'ai jamais aimé ce truc-là, je trouve que c'est mal à expliquer. Bah non, c'est logique. Il faut te faire ta logique. L'eau s'éteint par le feu, le feu s'éteint par l'eau, le feu il brûle l'herbe et l'herbe il absorbe l'eau. Voilà, tout à fait. Merci Jamy. Mais y'a rien. C'est très simple. Alors, John, c'est à ton tour. Attaque griffe contre Tentacool. Tu te renvoies tes dégâts. Hein ? Tu te renvoies tes dégâts. Beaucoup de dégâts. Ah bon ? Eh ouais, échec. Bien joué. Non mais ça c'est encore un truc complètement con encore. Je veux dire, quand tu rates, t'es obligé de te les foutre dans la gueule en fait à chaque fois. Ça dépend les circonstances, mais là le GM décide que tu te le fous dans la tronche. Ouais. Alors, 13. Attends, bah du coup... Bah tu te retires... les PV. Normal. Ouais, endurance. 5. Après, John, y avait qui ? 17. Shenzo. Ouais, je vais faire une attaque bâillement sur le Tentacruel. Elle a 100% de chance de réussir ? Normalement c'est 100 précision, alors est-ce que je le passe à 90 ? Si, si, ouais, lance. Avec tant que c'est pas marqué, genre ça ne rate jamais, toujours lancer un dé. Ok, ça réussit. Ok. Ok. Donc il baille aussi. Ça doit être à Dylan. Dylan, okay. Vas-y. Alors... Que vais-je donc faire ? Alors, je vais... je vais réattaquer... le Tentacruel. Ouais, je vais lui faire une croupie. Ça fait quoi déjà, le croupie ? On se met accroupi. Alors ça, sur 8-10, ça baisse la pression de la cible de moins 10%. Ok. Et ça fait 9 de dégâts. Alors... Après c'est divisé par 2. 85, comment ça ? Comme c'est une attaque de flotte contre flotte, de la flotte. Flotte. C'est moins efficace. Je pense que c'est normal que ça faisait 1. Parce que moi... Ah non, 0,5. Ah ouais. Ouais, mais on s'en fout. Alors... Par contre, la précision est de 85, ça veut dire que... 85. Tu lances un dé de 100 et sur un... Bon, de toute façon, ça passe. Ça passe, ouais. Nickel. Donc c'est une attaque spéciale. Donc je rajoute c'est la constitution, ouais, c'est ça. Concentration.
point concentration, enfin c'est C-O-N. Ouais, ouais, c'est vrai ça. Et même moi, des fois, je fais constitution, non, c'est concentration. Ah, j'ai oublié de lancer un 8-10, là. Enfin, un D10 pour eux. Ah, vas-y, lance. 10, lance, voilà. Lance. Donc ça fait 5, il prend pas de dégâts. Hein. Ouais, bon, et bah, ça affecte pas. J'ai pas réussi à baisser sa précision. C'est surtout pour ça, quoi. Ça lui a fait des dégâts ou pas? Non. Non, non. Ouf. C'est comme si ça fait une trempette. Ouais, en gros, il a pas forcément beaucoup de vie, mais par contre, il a une grosse résistance. Parce que ça veut dire qu'il a pris que 13 de dégâts, que ça lui a entamé la moitié de sa vie. Donc ça veut dire qu'il faudrait lui faire à peu près 15 de dégâts pour bien l'entamer. Là. Ah ah. tout le monde a joué, du coup, ben... Rebelote, hein, initiative. Hein. Alors ça, c'est mon Upsol, hop. Dix. Faut Dylan. Initiative, Dylan. Bah je l'ai lancé, non? Il est pas parti. Non. Oh putain, j'ai cliqué, il l'a pas fait, le con. Ouais. Ah, super. T'es de 10 plus... Alors, ça c'est le tentacruel. Ok. Bah, je l'avais lancé... J'avais fait 8, 1 des 10 plus 3. Au-dessus de Shenzo. Oh, autant pour moi. Je pensais que c'était... Bon, tant pis, on prend le... On va prendre le 11, hein, juste. Hein. De toute façon, ça change rien. Là. Oui, ça change rien. Bah si, parce que tu joues avant Shenzo et Jeanne. Ouais. Mais bon. Ça dépend s'ils veulent te laisser passer ou pas. Et ça, c'est le... Tentacool. Ouais. On déglinguait. C'est le Absol qui va commencer. Ah, ça peut pas le faire. Et il va faire. Ah, mais. Ouais, j'ai bien envie d'attaquer le Tentacruel, mais. Si je vous le bute. C'est peut-être bien de finir le tentacool éventuellement. Ouais. Effectivement. Bon bah je vais attaquer tentacool alors. On fera toujours quelqu'un de moins. Bon bah je vais attaquer sur aéropiqué encore. Hop. Ça... Alors c'est de l'attaque physique. C'est à qui maintenant? 20. C'est absolument. Le tentacruel. Qu'est-ce qu'il va faire le tentacruel? Il va faire. Il va faire une attaque acide. Sur qui? Sur qui ça va tomber? Sur Evoli. Oh, oh, je suis mort. Alors, acide. Il a réussi. Il y a que s'il fait un 1 que ça... C'est spécial. Donc c'est concentration. Ouais, peut-être moyen. C'était... Moi, je dois mettre quoi? Concentration aussi? Toi, c'est la... Défense. Volonté. Volonté au 9. Bon, ça va. C'est-à-dire que 16 moins 9, 7, je suis à 6 HP. On va faire léger. Et il ne te baisse pas ta volonté.
sympa. Ensuite, 19, c'est le Tentacool 2 qui va faire Darvenin. Darvenin sur Evoli. Enfin, bye. Ah oui, il a vu que Tentacruel a attaqué. Il va faire pareil. Hein. Donc Darvenin, il réussit. Allez, voilà. Plus la force. Force 7. C'est un défi physique. Physique. Donc, c'est de l'endurance. Endu, j'ai 7. J'ai perdu 1. Je suis à 5 PV. Et tu n'es pas empoisonné. Non, c'est pas grave, j'ai un fampi, en plus il est plus ou moins invincible vu qu'il n'y a pas de stats, tout va bien. Ok. 10. C'est à qui? À qui le tour? À Dylan, non? Dylan, vas-y. Ok. Je crois que je suis en dernier. Ah, t'es avec Shenzo. Vous avez fait 10 tous les deux. Ouais, ouais. Je te laisserai attaquer avant. Ok. Je sais pas quoi faire pour pas trop le défoncer, mais pour le défoncer quand même, quoi. Bah, a priori, tu peux balancer du 15-16, ça va pas le tuer. J'ai pas de. Enfin, attends. 9. Lance roquette, j'ai pas de sniper. Ah, mais non, ça c'est de l'eau combat. 8. Spécialement concentration. Ouais, je vais peut-être essayer ça. Je vais faire un aura sphère sur lui. Sur qui? Sur lui. Sur Tentacruel. Ok. Donc, hop. Bon, ça échoue jamais, donc ça c'est bon. 8 donc plus. Voilà. Oh putain, le PD quoi. Bah, ça passe pas hein. Ah oui. Vas-y John. J'attaque Tentacool. Attaque pas dans ma gueule si possible cette fois. Critique. Un critique. Bah tiens. Ça griffe donc. T'as fait les deux critiques dans les deux sens. Ouais, voilà, tu le crames, là t'as fait 22. Alors ça c'est sur le Tentacool hein. Le Tentacool. Non non, Tentacruel. Tentacruel ? Non je déconne. Oh putain. Non tant pis, Tentacruel, ok, Tentacruel, bah ça passe pas. Voilà. Ah bon? 22 ça passe pas? Non je rigole. Alors c'est Tentacool ou Tentacruel? Tentacool. La prochaine fois je fais Tentacruel et attention. Alors sur le Tentacool, c'est Griff c'est ça? Ouais. Griff, donc ça fait 22. Ouais. 22 longs griffes. Ok. Bah c'est bon, il est dead. Quand est-ce que je pourrais sortir mon Magikarp pour faire boubou? Bah si tu veux, tu peux rappeler ton Salamèche, hein, et mettre ton Magikarp au combat. Hein. Quoi c'est parti. Sauf qu'autant dire que ça va plus servir à rien. Bah comme je compte pas trop taper dessus pour éviter de le tuer, je compte plutôt vous laisser le faire. Oui, mais tu ne prends que de l'XP sur... les personnes qui vont être KO. Ce qui veut dire que là, étant donné qu'il va avoir les deux KO ont eu lieu et que bah lui va être capturé théoriquement. Il va peut-être encore taper quelqu'un et peut-être me taper dessus. Ouais mais ça va rien changer. Quand tu captures, enfin sauf si c'est changé, mais quand tu captures quelqu'un, tu ne prends pas d'expérience dessus. Du coup t'envoies ton Magikarp.
Bah j'en sais rien, du coup ça sert à rien. Et je pourrais le faire épais comment ce truc? Il faut qu'il soit à KO lui-même ou qu'il... Non, il faut que tu le lances au début du combat et que ensuite tu le désengages. Ouais mais non, ça c'est que s'il a le multi-exp. Non. Si tu lances ton Pokémon au début du combat, qu'il a le temps de faire une action ou pas d'ailleurs, tu le renvoies, t'en mets un autre, théoriquement il prend de l'XP. En tout cas sur les cartouches c'est comme ça. Non mais d'accord, et en JDR ça marche pareil? Parce que bon, je vais peut-être commencer à m'en occuper de ce pauvre Magikarp là. Bon peut-être pas pour ce combat là, c'est pas grave, je ferai ça plus tard, on verra, d'accord? Pour éviter de ralentir le truc. Je touche à rien pour l'instant. Donc okay, on fait okay. L'initiative. Moi j'ai pas joué. Il a pas joué hein. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Pense qu'à lui. Je refais un petit bâillement sur l'ami. Ah j'ai pas vu dans le chat. Et je m'endors. Ah. Bah tu bailles hein. Mais... Ok. Bon bah. Ok, bah initiative. Ouais, encore été à la fête moi. Ça, c'est Max. Ouais, parce qu'il s'appelle Max son Absol. Ça c'est le Tentacruel. Voilà. Donc on a quoi, un 10, un 9. Il manque Carapuce. Il manque Carapuce. Carapuce. Initiative Carapuce. Carapuce, viens là. Il a fait un AVC, Kralvi. De quoi attends, arrête de jouer à WoW en même temps. Bah, je joue pas à WoW. Hein. Initiative. Autre activité. Ah, initiative. Non, je fais rien d'autre. Tu vas ghost track comme ça en moi, c'est pas bien. tu peux regarder tout ce que tu veux, je suis connecté sur Steam et tout. Donc... Alors du coup, c'est Absol qui va. Oui, en plus. Attaquer. C'est du Warhammer sans moi. De quoi? Ouais. J'ai dit, tu fais du Warhammer sans moi. Bah non, je fais pas qu'un regard sur Steam. Il va faire Aéropic sur le Tentacruel. Hein. Et faire Aéropic sur le Tentacruel. Il va faire de l'aéropic. Aéropic. On lève la jambe, on baisse la jambe. Ah là, soit elle est cramée, soit il reste rien. Mais... Alors. Connais qui serait pas content. Ah là, il va pas. Ça va être au poil de cul. Hein. S'il reste quelque chose, il va pas lui rester grand chose. Est-ce que si tu lui fais un bâillement, t'as plus de chances de réussir Oui, tu as du tout 20% de chance. Je sais plus combien. Ah. C'est pour ça que j'ai je le sais. Ok. Il ou le Tentacruel. Il est là. Donc j'ai fait quoi déjà? J'ai fait un aéropic. Aéropic qui est physique. Donc. Endurance. Voilà. Paf. Oh, je pensais que ça allait faire plus. C'est au Tentacruel de répliquer. Il va attaquer. Qu'est-ce qu'il va attaquer? Salamèche. Et laissez Salamèche tranquille. Il va faire une attaque acide. Oui, c'est ça, l'attaque qui sortir ton Magikarp en fait. Ok, il réussit. Et mon Magikarp, il est KO, il gagne de l'XP. Ah, t'as pas mis ton Magikarp? Non. Ah, voilà. Ah, mais c'est, je pose une question. Normalement, non. Non. D'accord, bon, ça sert à rien. Après bon, il y a eu un peu d'expérience de combat donc. Non mais disons que tu aurais pris des coups quoi. Bon bah ça. Ouh. Oui. Je te laisse réduire donc c'est sur Je te laisse mourir. C'est sur ta volonté.
Attends, je me suis trompé. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est beaucoup moins normalement. Non, mais c'est beaucoup moins, il me semble bien. Hein. Oui, à chaque fois je confonds la volonté et la concentration. Ah bah voilà, bah oui, bah non, hein. Quand même. Et là, elle va nous tuer, c'est ça. Oui, je vais vous tuer. Je vais vous tuer. C'est ça. T'es mort. Voilà, c'est ça. Jette des gars, t'es mort. Voilà. Ah bah voilà, hein. Bon, ça change beaucoup. Ah bah quand ça même, fait oui. Quand même, ton jeu, quoi. Et après, hop. 2 de 10. Non. Si on était pas dans l'eau, je l'aurais craché à la gueule. Ou je n'avais t'aurais foutu une vieille brûlure de méduse. Excusez-moi pour le 19, hein, du coup. Non, t'excuses pas, c'est une goutte de trop. Ah, puis il avait envie de pousser ses stats. Hein. Bon, du coup, c'est à... Papapapapé... Shenzo. Je refais bâillement. Bah non, tu dors en fait. Ah bon? C'est pas en deux coups que ça... Bah qu'est-ce qui est marqué dans ta description? Bah c'est la première fois ça fait bâiller, et pour moi la deuxième fois ça fait s'endormir. C'est pour ça que je l'ai fait deux fois sur Tentac. Enfin, ouais, mais t'as déjà bâillé au premier tour en fait, lors de ton attaque. Non mais c'est pas quand tu fais deux fois l'attaque. Bah, moi, c'est pour la personne qui subit l'attaque. Oh mais tu te l'es renvoyé. Ouais, la première, pas la une, pas deux. Parce que j'ai fait déjà un bâillement réussi sur Tentacruel en fait. Ah bon? Ouais, j'ai fait un coup de météore sur Tentacool, oui. Après j'ai fait un bâillement réussi sur Tentacruel, et quand j'ai voulu faire mon deuxième bâillement, je l'ai loupé, je suis foutu sur moi. Ouais, tu me rappelles. Ah bah autant pour moi, donc il dort. Ah, il dormait déjà avant alors. Ah bah en fait j'ai pas à m'enlever mes 7 points de vie. Non, puis on va dire qu'il dort. Coups, hein. Non, erreur de ma part. Et pour l'attaque que je me suis pris du coup... C'est pas grave. Tu la prends quand même. Je la prends quand même, voilà, maintenant il dort. Maintenant il dort. Il voulait pas dormir, maintenant il dort. Bon bah du coup, j'ai ce qu'il te reste à faire. Hein. Pokéball Bow. Pokégoogle. Pokégoogle. C'est à qui du coup? Bah y'a que... Bah tu devais pas faire une attaque du coup? Bah moi je suis endormi alors, ça veut dire si mon bâillement a marché sur moi l'autre coup, je suis dans les vapes aussi. Ouais du coup t'es dans les vapes aussi. J'ai attaqué Tentacruel du coup. Éventuellement, je vais profiter du tour pour balancer Fampi. Ouais, du coup, c'est... Ouais, Fampi, voilà. C'est dur, ouais. Voilà. Je vais essayer de voir pour ses stats la prochaine fois. Ouais, ouais. De toute façon, il reste Dylan à jouer, là. Ouais, Dylan. Donc, J'envoie une Pokéboule. Il faut que je fasse un dé de sang, c'était ça, le truc, non? C'est ça. Okay. Par contre, il a le bonus de endormissement, je sais pas de combien il est, enfin c'est un sur un jeu combien. Une vie d'air, le fait qu'on lui enlève de la vie, ça augmente mes chances, non? Oui, aussi, oui. Bah oui. Apparemment, t'as le bonus d'endormissement plus le fait qu'il est bavi. Bavi. Lol. Pokéball, let's go. Bon, bah là, tu la jettes à la flotte là. Tu jettes ta Pokéball à la flotte. Chaque fois que j'en veux tout sur les... avec les Pokéballs, c'est des scores pour comme ça. Initiative. Ça c'est Absol. C'est déjà combien de temps l'endormissement? Pour qu'il se fasse taper dessus? Jusqu'à ce qu'il ait une poké flûte. Cette Tentacruel, de toute façon, à mon avis, il va pas se réveiller. Il va pas se réveiller, bah non, ça dure assez longtemps normalement. Là, il y a des 10, là, je vous dis pas.
Est-ce qu'on peut demander à notre ami de ne pas intervenir et de laisser Dylan... Ok. Non, non, je vais le buter. On va lui péter la gueule alors. Ah mais je vois qu'on gère bien du coup, je vois pas l'inconvénient que vous l'attrapez. Ok. Bah renvoie, hein, vas-y. Ok. Pokéball, go. Oh yeah. Ah bah là c'est bon. Pouf. T'as même attrapé deux pentacruels. Deux pentagruels. Des pentagruels. Ça bah, je un Pokémon qui a la classe en plus tentacruel. Je sais plus c'est quoi l'autre vieille pieuvre qu'on avait vu la dernière fois. Octillery, enfin c'est un Remoraid si vous voulez. Un Octillery. Ah, c'est le truc qui est bon. Pa 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 pa. On va s'arrêter fructueux là. Ce petit voyage. Hop. Ouais, j'ai presque failli choper un Léviator. Et du coup... vous arrivez... à Holyville. Waouh. C'est joli. Il est où le frigo? Et la suite... à la prochaine session épisode. Il est cool le village. Oh, c'est plus une ville qu'un village. Mais... Hmm quoi? Pourra me filer ça? Il y a quand même pas une tête de demeure, Shams. Ah, en attendant, il est bien utile, donc. Ah non, je suis d'accord. Avec ses grands. Il a le droit d'être heureux ou pas?